On est sur Kirby. Alors, Non, deux hop. secondes. Alors, il faut pas que je me trompe d'écran. Écran principal. Ah oui, ça... j'avais oublié. J'avais oublié cet écran. Le fameux Fais quoi, non? accident. Le fameux accident. Hein. C'est. Les gars, je vais installer Rainbow Six. Bon, faites pas. Alors, attends. Mode fusion. Mise à l'échelle. Attends, oui, c'est transformé. Adapté à l'écran. Alors, oui, pas comme ça. Attends, j'avais mis combien de. Ah oui, parce que j'en avais mis deux pour ça. On baisse un peu le son, excuse-moi, hop là. Ouais, pas de soucis. Alors. Après, vu que moi C'est je trop petit. parle, il y a le son qui diminue, donc en vrai, bon, c'est un peu du pré-montage, quoi. Oh merde. Oula, oh merde. Oh merde. On enlève ça, tout va bien, on a tout viré. Il n'y a plus que Alors, le jeu sur le stream, désolé. attendez. J'essaie de voir si. Non, ok, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi il prend tout l'écran. Il prend. Enfin, pourquoi c'est un peu rogné, je vais regarder. Parce que pourtant, j'ai Ouais. enlevé tous les. Attends, je vais les. Ouais, ça c'est bon. Pourtant, il me dit que c'est bon, hein. Mais. Bien zoomé en plus. Ouais, c'est super zoomé. Alors, est-ce que c'est parce que. Non, pourtant, c'est. Bon, bizarre. Je vais juste peut-être la recréer. Ou recréer une autre, comme ça, au moins, bon. La petite tête de Marx. Alors. Capture d'écran, on l'a plus le 2, voilà. Voilà, là c'est vieux, ça fonctionne. Bon, on voit tes FPS, hein, attention. Hein. Oh, tu veux que je l'enlève? Non, c'est pour rigoler, mais. Genre, à part si tu veux dire, regardez, j'ai un PC Master Race, là, c'est pas trop mal. On a beaucoup de FPS là, ici. Là, c'est streaming en 720, hein, attention. Hein. Ok. J'ai même plus combien c'est le nombre de FPS maximum, parce que je sais que c'est. Il y a plus de 500. Je sais plus c'est combien précisément. Du coup, est-ce que ce serait pas toi le joueur, hein, par hasard? Bah je vais regarder. Ah bah c'est moi. Ah bah tant mieux parce que justement. Alors Bah super! attends. Hop. Ouah le mec il a fait le 100%. Ouais, un peu, ouais. En Bon. fait, je crois que ma Du. manette est juste sur le mauvais slot. Mais on verra bien D'accord, si on je suis verra, on là ou verra. pas. Alors, du coup, tous avec ça. Et du coup, pour rendre hommage, et vu que ça va être bientôt la sortie du remake, ah, il y a ta partie de méta. Attends, je vais regarder juste où t'as avancé. Ah, j'ai eu peur, j'ai vu le freeze, je me suis. Oula. Le freeze. Bah, il y a eu, on va dire, une micro-freeze où ça allait dire, bon, ça allait crasher, mais non, c'est bon. Oh non, tout va bien, tout va bien. Alors, attends, pourquoi je peux pas aller en haut? Ah oui, c'est vrai, c'est avec. Putain, c'est avec les flèches. Oh putain, l'enfer. T'es avec la flash? Ah non, c'est bon, bon, c'est bizarre. Bon, je vais faire une nouvelle C'est ma partie. faute, j'avais le top. Ah, c'est pour ça alors. Bah, du coup, c'est bon. Et du coup, on va jouer avec Magolor. Avec quand même la phrase ami pour la vie, quand même. Oh le C'est. menteur. Oh, qui lui dit, hein? Oh, j'en ai vu des menteurs, mais là, je m'assois. Mais voilà, du coup, on va jouer. Du coup, on va dire un peu le. On va dire le personnage qui est le plus important dans le dans l'aventure de Kirby, du prochain Kirby qui va sortir. Donc voilà. Je me souviens de la fois où j'ai arrêté de pas de spam avec Dark Meta Knight. Voilà. Mais. Hugo, est-ce que ça t'embête de Oui. changer de scène très rapidement que je puisse vérifier si ma manette Ah, marche pas bien? de souci, pas de souci. Je mets lancement, comme ça on peut discuter avec Blood. Mais. du coup, moi, je me rappelle quand j'ai dû refaire. Le jeu Doit être pour essayer de faire le jeu à 100% parce que il manquait juste le mode extrême boss rush de ces grands morts. Et bah, oula, attention, j'étais à la liste d'avis, attention. Hop là, c'est censuré, tout va bien. Alors, il a mis avec. Comment ça, t'es ami avec Dark Funeral là? Allez, on commence. Alors, il faudrait juste que je revoie un peu les contrôles vite fait pour savoir sur le jeu parce que ça fait longtemps. Hein. Alors, maintenant que je suis allé. Ah oui, par contre, il y a deux joueurs sur. Je modifie ça? Ok, ça c'est le cœur, ça c'est les attaques. Salut! Salut. Toupie. Toupie. Bon, là, désolé, un peu de speedrun là. Attends, il faut être ami avec lui. Salut Hop là. pote! Ah merde, j'ai. Bon, c'est pas grave, l'autre il avait. Oh, attends. Si, si, attends, ça, il y a. Peut-être. Non, attends. J'essaie de savoir parce qu'en vrai, je suis sûr que c'est cassable, ça. En bas? Ouais, avec une flamme ou un truc comme ça, donc attends.
Alors non, c'est pas avec ça. Je voulais juste qu'il lève la main. Ouais. Et à partir de là, on peut le contrôler. Et après, là, je pense que il faut voir si tu peux couper ça en bas, quoi. Parce que en vrai, ça, c'est, je dirais, c'est cassable, mais je suis pas sûr. Apparemment pas. Ok. Est-ce que je devrais peut-être enlever le personnage Magolor? Ce serait un peu dommage s'il y avait deux Magolor, non? Pose la question. Oui, c'est vrai, en vrai. Hop là, je me tue. Voilà, et je suis chabalé. Voilà, maintenant, tu t'appelleras chabalé, désormais. Oh non, je suis chabalé, merde. Oh non, mais moi, pourtant, j'aime bien les renards. Ah merde, il y avait... Bon, c'est pas grave, vu que j'avais pour... Oh, ouais. J'ai la clé. Oh, pas de frais, je suis désolé. Oui, pas de soucis. Bon, c'est pas grave. Après, c'est juste pour qu'on s'amuse. Hein. Plus de vitesse. Bravo. Vitesse 1. Bon, du feu. Ouais, mais avec quel personnage je suis en train de réfléchir. Oh. Bah, alors, tu devrais pouvoir envoyer le feu toi-même, sinon on peut contrôler. Ah oui, bah attends, je vais... Bon, déjà, voilà, c'est... Bien vu. Mais ouais, déjà, Magolor, il est quand même assez hop de ce que j'ai compris. Il y avait souvent même des strats pour vraiment dire que Magolor, c'est vraiment le meilleur. Mais la vraie strat... Ouais. Mais la vraie strat, c'est comme je l'ai toujours dit, je crois. Ou je l'ai même pas encore dit. Mais c'est bombe et de l'air. Et avoir les trois sœurs. Voilà. C'est vraiment le combo à faire pour bien speedrun et aussi pour... Attends, ça c'est avec l'épée, donc attends. Alors, je peux t'envoyer de l'air si tu veux. Bah sinon je peux faire ça. Hein. Ah d'accord, ok. Après je pense que c'est un peu le début du jeu, c'est pour apprendre comment... Ah ça va être compliqué. attends, je vais voir si... Attends, il faudrait juste que... Je sais que le c'est... Bateau. Non, c'est... Ah peut-être le bateau, mais je pense pas. J'essaie juste de savoir... Attends, je vais juste regarder. Oui. Ok, ça met du temps, mais... alors, attends, il faut que je vois la combinaison. C'est pas le trou noir. C'est... Voilà, c'est super épais, donc c'est bas. Ok, donc c'est bon, c'est une combinaison à la Mortal Kombat. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et du coup, je pense qu'avec le tronc, il fallait faire ça. Vu que c'était peut-être coupant. Oh, il y a un monsieur de feu. Léo la flamme. Aïe. Ah, des petits bisous, hop. Merci pour le bisou. Bon, on va les faire dégager. Et moi, je vais... Des fois, il a envie de le faire, mais je jette des pommes plutôt. Ouais. Ah, parfait, de la santé, c'est ce qu'il nous fallait. Oh, bah... Il y a une petite porte aussi, si tu veux y rentrer. Ouais. Bah, justement, c'est les... En plus, j'ai vu la forme de l'étoile, c'est... pour référence, bon, j'ai pas spoil quand même. Ah oui, bah là, c'est... Bon, je vais rien dire, j'ai pas envie de spoil, ouais. Hein, mais... Je crois que c'est une référence à Dreamland, ça, non ? À Return to Dreamland, avant tout, hein. Sur mon balai, trop heureux. Et est-ce que, du coup... Alors, on va voir si le jeu va prévoir un truc, mais est-ce qu'il y a... Ah, il a l'air d'avoir une petite zone de petit combat, en fait. Un petit mini-boss. Alors, est-ce que ça va être... ah bah... Ah, bizarre, c'est Chimère. Ouais, c'est pas une Chimère, ça. Bah dis donc, il s'était moins mignon, hein. Oh, test 2, merci. Ouais. 3, pardon. C'est... Qui lui apprend à compter? Qui lui dit de retourner à l'école? Ah. Ah bah oui, bah... Le bateau. Je suis tout seul dans mon bateau. Allez, du vent le chat. Oh bah. C'est fini, je n'existe plus là. Et tu vois, il y a la forme de l'étoile du coup. Ouais. C'est pour faire référence bien sûr au jeu. Ouais, le train. Ah oui, bah par contre, il faut... Bon allez, l'eau, la flamme. Vous n'avez pas assez d'amis. Il y a le chat qui veut sortir, mais malheureusement là je suis en train là. Ah
Ah, tu peux contrôler. Bah, attends, tu sais quoi, occupe-toi de la partie. Ok, d'accord. Bonne chance avec le chat. Bah écoute, c'est juste ouvrir pour qu'il puisse sortir un peu, pour qu'il puisse prendre l'air. Bon, il aime bien faire ça, donc c'est juste que je vais devoir laisser un peu ma fenêtre un peu ouverte pour qu'il puisse revenir, parce que bon, sinon je le ferme et il crade la porte depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça. Du coup, je reprends la monnaie. Ouais, je t'en prie. Hop. Il marche bien ce train-là. Je me rappelle, je faisais souvent des techniques pour gagner plus de temps. Et surtout pour certains niveaux où, par exemple, tu fais un saut pour aller plus loin sur les objets. Et en quelque sorte, si tu chopais, par exemple, les petits cœurs pour augmenter les stats, etc. Si t'arrivais à le toucher, bah du coup, ça pouvait cancel l'animation, si tu veux. Mais non, mais putain, il a plus son... Ouais, on le voulait, ouais. Bon, pas grave. On va prendre Bibi, là. Il s'appelle Jim, pas Bibi. Chut. C'est pour dire qu'on n'est pas sur le bon jeu, c'est tout. Bon. Hop, des petites pommes. Mais je veux quand même activer ça. Je lui envoie de l'eau, je l'arrose. Je pense qu'il a pas aimé. Ouais. Voilà. C'est gagné. Il a pas aimé. Il pleure. La musique de Dreamland. D'ailleurs, j'ai réécouté quelques musiques. Il y a même une musique que... Franchement, c'est dommage que j'arrive pas à trouver une version sans, on va dire, l'animation de fin. Parce que malheureusement, il y a que les crédits qui fait ça. Mm-hmm. Et du coup, les crédits, évidemment, t'as des petits sons effects qui est juste après, mais... Je parle plus précisément, parce que je suis sûr que c'est pour autre chose, mais c'est pour les 20 ans de Kirby. Ils avaient fait un jeu et il y a les crédits qui sont vachement très sympas. Et malheureusement, bon, bah, il y a les applaudissements à la fin des crédits, du coup, bon, bah. Surtout qu'il y a une belle transition de. Putain, mais des fois il veut, des fois il veut pas. J'essaie de prendre son contrôle pour depuis tout à l'heure. Bah ouais, bah du coup il faut aller en haut. J'imagine. Alors, il y a peut-être le flyer. Je vais fermer un peu les volets après. Le chat est de retour. Oh, ninja! Écoute, chacun son bonheur. Moi j'ai mon petit parapluie. Ah, tu vas être le ninja, très bien. Ah, bah tiens, on a besoin d'un artiste, justement. Ouais, l'artiste ou le... Ah. Bonkers. Non, je triche pas du tout. Oula, attends, non. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a le chat. Et on va la mettre en vert. Adlaine 2. C'est comme Adlaine, mais c'est pas Adlaine. Ouais, bon, c'est... Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme Pain Roller, mais... mais pas trop Pain Roller, quoi. Ouais, tête de bon cœur, s'il y avait un arrêt sur l'image. Attends, hop, je vais juste le voler. Ah, mais du coup, avec les. J'y pense, avec les cœurs, etc. Enfin, avec la clé qu'il y avait tout à l'heure, on a dû le rater, je pense. Ouais, on a peut-être raté un cœur. Ouais, bon, c'est pas grave, je pense que. Bugsy. Bugsy, le petit chat. Je vais se tromper de jeu. Ah, d'accord. Pas là-bas. C'est un traître. Insérer la fin de Kirby Superstar. Bon, bah, fais ton job. Hein. À ma manière. Tu vas dedans. Non, toi, tu vas dedans, tu sais. D'accord. On voit le mec qui a vraiment la flemme. Hein. On partage. Il y a le petit bateau quand on rentre dans une porte, c'est mignon. Enfin, c'est un grand bateau, mais... Ouais, c'est... D'ailleurs, j'avais oublié que le nom du bateau s'appelait le Lore, quoi. Ça me fait encore marrer. Oui. Hein. Bah, attends. Je crois que ça veut dire espoir en... Bah,
En une langue. Oula, je vais en faire la langue mal. Des anciens. Ah, je savais pas. Parce que je sais qu'il y a toute une explication de l'origine de Magolor au niveau de la forme, etc. Et pas mal de trucs. Oui, bon, si tu veux, on va le casser. Merci, là. Parce ah que Penny, ils veulent pas. Il y a un truc là, je crois, c'est pour ça. Oui, c'est pour le puzzle. Dégage. Il a rien fait. Ah, chacun avec ses petits mains. Et surprise. Petite échelle. Ah. Ah, c'est moi le personnage maintenant. Ah, Jo. C'est moi, Jo. Oh, je pourrais être à Dadino après. Ouais. D'ailleurs, chose à savoir, c'est que je savais même pas que, depuis le début du jeu, vraiment, que je savais pas que tu pouvais jeter un cœur en plein milieu du boss. Je savais pas. Quand ils sont pacifiés, tu peux les prendre, ouais. Oui, mais genre, quand par exemple, ils sont fait battre, etc., bah du coup... Oh, ta gueule. Il a pas compris. Il est pas content, là. Attention, c'est l'émulateur qui fait ça, hein. Je préfère me rassurer. Les yeux blancs. Non, les petits habits qui se cassent, mais qui se répartissent pas, tu vois, genre, ils sont frisés, quoi. Ah, j'ai pas vu. Pour moi, c'était normal. Bon, je trouvais ça normal dans le jeu. La nudité. Après, moi, je parlais pas de la nudité, hein. C'est vraiment juste les morceaux du vêtement, hein. C'est tout, hein. C'est... Je pense qu'il faut que t'attends que... le spammer là. Ouais, y a pas de Dadino. Ah ouais, j'ai skippé l'animation. Là, ça. Les petites pertes d'image là, miam. Ouais, bah c'est. Excusez-moi, c'est. C'est, je pense, je sais pas si c'est chez moi ou chez Prover. C'est l'émulation un peu. Bah c'est plutôt aussi par sec, c'est. Je sais pas. Désolé. Ouais, oh, y a pas de soucis, hein. Écoute, pour le stream, comme on dit. L'important, ce n'est pas la qualité, c'est l'amusement. T'as bien vu comment c'est passé, mon... Ouais. Bah, ton combat, ouais, il était épique. C'est pas si grave que ça, en vrai, oui, en vrai, voilà, c'est... Genre... Attends, ça, il faut... Chabalé, reviens. Bon, désolé, voix d'Easy Parasol, mais... Ah, je crois que je pouvais le faire, en vrai. Ah oui, vu que j'avais... Bon, pas grave. Je viens d'y penser, j'avais le... C'est pas grave. Je pouvais faire ça. Ah oui, effectivement. Ouais. J'ai oublié que Magolor, il a. C'est limite un peu les trois sœurs, mais. Sauf que. Pas tout seul. Voilà. Sauf que t'appelles pas la soirée pour dire bon, bah, tu me remplaces. Non. Ah bah, ça, c'est con, ça. Bah, enfin, dis tout. Bon, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, t'as maigri, hein. Devenu équipier polyvalent. C'est bien parce qu'en plus, vraiment, sur les mangas et tout, etc., il fait des réactions. Là, du coup, le roi des Didouf a l'air de faire des réactions. Pas de visage. D'ailleurs, chose très drôle qui m'a fait marrer, c'est que y a des, j'ai trouvé d'autres mangas de Kirby qui sont pas encore dispo en France, mais j'ai pu trouver ça avec des scans ou des trucs comme ça. Mais apparemment. C'est à peu près, ça suit Kirby et tout, etc. Mais un des compagnons de l'aventure de Kirby, parce que oui, voilà, c'est genre. C'est un des trucs de Kirby dans les mangas, c'est chercher un compagnon. Alors, il cherche qui exactement. Et du coup, dans ce manga là, que j'ai pu trouver, du coup, c'est que ça proposait Chibi. Ah non, pas Chibi, non, c'est Chili. Je confonds un peu les deux. Chibi, c'est un autre personnage original du manga, mais qui... Bon. Le temps d'apparition, je spoil pas. D'accord. Je l'ai même dit dans la vidéo, hein, je préfère le dire. Il y a même le dessin animé, si ça t'intéresse. Ouais, j'ai vu ça. J'ai même fait un tweet pour dire que si je trouvais justement tout plein de... tous les épisodes en version française...
Ah oui, par contre, le trou noir, bon, t'as peur, hein. L'émulateur a du mal. Mais ça aspire, hein. Le trou noir, il se fait aspirer par l'émulateur. C'est vrai que c'est de la santé. Et bah, c'est de la rapidité. Je m'en fous, lol. Ah merde. Ouais, ça c'est important, ça. Par contre, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais le mec à droite, j'ai fait ça va. Mais du coup, le dessin animé et tout, ouais. Il y a des très bons épisodes, hein, des très bons trucs, etc. Très drôle. Il y a même. Bon, il y a quand même des épisodes interdits, apparemment. Bon, ça c'est. Question de censure, ouais. Ouais. Bah, en plus, c'est vraiment. Tu t'attends pas vraiment, mais pourtant, il y a vraiment des versions anglais de ça, quoi. Genre, bon, j'ai pas envie de spoil, mais ça me fait marrer de l'expliquer un peu quand même. C'est, en quelque sorte, Kirby, il est tranquillement, je crois, policier ou un truc comme ça. Il surveille un peu les bandits. Polyvalent, McDonald's. Voilà. Désolé. Le métier est nul, hein, Kirby. Mais du coup, attends, ça... Ouais, il y a un truc. Voilà, de la santé. Mais du coup, dans cet épisode-là, il devient tout bêtement... Ah, je voulais l'aspirer. Je l'ai sauvé. Je voulais pas qu'il rentre. Et il est gardien du commissariat de la ville. Et du coup, il y a l'agent principal qui explique et tout. Et là, il y a des armes derrière. Kirby décide d'en prendre un. Il commence à tirer partout. C'est le gros bazar. Et je crois qu'il était censuré celui-là, je crois. Kirby, le policier américain. I'm fucking Kirby, motherfucker. Pardon, excuse-moi, je me permets de fracasser mon ami. Ouais, j'allais balai là, du balai. Oh. Hop là. Mais après, je crois que le truc le plus horrible, c'est parce que vu que aux États-Unis, la boîte de production qui diffusait ça, c'est 4Kid. Et vous savez que 4Kid, ouais. Déjà pour les animés genre One Piece, Yu-Gi-Oh! Et ouais, Pokémon, je crois que Pokémon il est aussi dans le tas. Sonic est passé par là aussi, Sonic, oui. Il s'est pas mal été censuré. Oui, bon, après Sonic il chante quand même l'hymne national américain. Bon, donc bon. Dans la version américaine après. Oui, avec Usopp et toute la compagnie de Luffy. Hein. C'est grave. Ouais, ça me fait encore marrer cette vidéo, genre, tu te balades et tu vois une vidéo comme ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Pardon, je me suis muté, du coup ça mute le jeu. Ouais, ça mute le jeu. Bon, je le referai plus. Je ne muterai plus. J'arrête de parler. Ouais, parce que c'est... Vraiment, Nintendo Switch, console de salon, jeux vidéo pour enfants, tout ouais. Ça. D'ailleurs, chose amusante que j'ai pu découvrir avec Twitter, sur ma gueule avec le jeu, c'est que sur l'animation de fin, où il y a Kirby qui sont avec ses trois amis, etc., si tu mets Magolor en quatrième place, t'as à peu près deux Magolor où ils saluent la main tranquille. Et vu que le dernier est à l'arrière, bah, vu que Kirby il accélère d'un coup, t'as Magolor qui fait « Oh ouais !» Genre, il recule en face. Sur le vaisseau, oui. Genre, il fait « Hey, calme-toi, là !» C'est parti. Oh, je suis en retard. Je suis en retard, hein. Il essaie de piquer au sol, là. Oula, j'ai chaud. Les fameuses lames rotatives de la... ouais. Du piquant. Qui sourit et qui s'énerve souvent. Ouh, je sais. Il y a des petites portes cachées. Oui, je crois que c'est... Ah, je sais plus. Celle d'avant, peut-être. Est-ce que... Ah non, est-ce que ce serait pas au-dessus, justement? Non, c'est pas celle-là. Parce que je sais que il y avait une où... c'est un passage secret, mais je pense pas que ce soit là. Ah, super. On vaut la peine de vérifier derrière. Ou pas. Ouais, tu savais que tu pouvais te rendre invisible en te protégeant? Ah oui, c'est vrai, avec la téléportation. J'avais oublié. Non, c'est même pas de la téléportation, c'est genre tu es intangible. Faut que tu sois en l'air pour faire ça, voilà. Et là, t'existes, hein, je le vois. Mais t'es invincible.
Personne peut rien faire. C'est vraiment OP. Bah, c'est pour ça qu'il est assez... Parce qu'en vrai, j'ai voulu regarder une tier list. Ouais, là, je peux laisser faire le taf, hein. Ouais, ah, c'est... Ah. Chabalet, qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, qu'est-ce qui t'arrive, Chabalet? Putain, il a foutu un... Il peut plus faire la vaisselle. Ah, bien joué, ça. Oiseau, c'est pas mal, aussi. Ouais. C'est... En vrai, je crois que Oiseau et l'électricité, c'est un peu des gameplays un peu difficiles, je dirais, parce que Oiseau, le seul truc que tu arrives à comprendre la première fois, c'est vraiment tu jettes des petits plumes et c'est tout. Hein. Mmh. Ça, c'est la mobilité. Électricité, faut spammer ta manette. Ouais. Donc, pas facile. Attends, je prépare ça, hop. Bravo. Bah, il faut pas trop spammer de manette, c'est en quasi-ordre vraiment de tourner en rond si tu veux, même. Ouais. Comme l'électricité en fait. Ouais. Bah, au début, je savais pas ce gameplay électricité, mais quand j'avais rejoué, je crois justement à Kirby sur DS, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça marche enfin ça. Ouais. Sur DS, c'était pas facile parce que tu dois faire la croix directionnelle et ouais. Ça fait mal au doigt, je trouve. Bah, dans tous les cas aussi, pour la Super NES, c'était le même cas. Hein. Donc imagine les vrais vétérans qui s'amusent avec ça. Leur doigt doit être entraîné. Ah! Oui, la glace, tout ça. Ah. Je sais pas c'était qui, mais bon, on a gagné un truc. C'était pas foudre par hasard? Enfin, tu sais, le crash là, l'explosion. Ah, c'est possible, ouais, bombe. Enfin, je crois qu'il a un nom précis en plus. Qui c'est que c'est vous? Oh, le chef! Oh, le cuistot. Enfin, c'est peut-être l'occasion de cuisiner. Ah. J'aime pas ta cuisine. Qui lui dit que la cuisine est morte, hein. Attends, on va voir ce qu'il va le faire. Tu vas nous faire manger ou... Bon, tant pis. Oh, y'a, c'est la même. Ah bah voilà, elle préférait juste avant manger. Mais bon, elle arrête pas de bouger. Peut-être qu'il faut que toi tu lui demandes. Ouais. Ok, hop. Ah, il était temps. Allez. Les petits mouchous, hop. C'est un chef caveau. Le chef, là, il s'en bat les couilles, hein, c'est... Ouais, genre, il faut lui demander, je crois, comme ça. Non, ah, Ouais, c'est... Genre, il veut juste que tu le tabasses... Après, je pense que c'est moi qui dois l'activer aussi. C'est... Ou alors, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis, il se dit allez, vas-y, pourquoi pas. Après, bon, j'ai envie de te dire, maintenant il fait des commerces avec lui en bikini, donc bon, voilà. Et je déconne sérieux sur ça. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont fait vraiment des cartes du chef en bikini. En bikini. Ouais. Ah, il a mis un coup de louche. Et c'est très drôle, je trouve. Les pommes. Vous faites mes pommes. Ah bah voilà, tu vois, là par exemple, il y a beaucoup de monde. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Encore. Non, je crois que c'est seulement dès la première animation, ça le fait. Là, il la recherche juste pour qu'on soit éjecté. Et aussi pour cramer les autres, d'ailleurs. On a bien mangé, hein. Oula, qu'est-ce que tu fais avec le Wadidi? Tu fais quoi avec le Wadidi là? C'est chelou ce que t'as fait. Bizarre le jeu, ouais. Vous êtes sûr c'est un jeu pour enfants? All stats up. Moi j'ai Isaac. Step D, stop, what are you doing? D'accord, ok. Je vois. Oh, c'est peut-être l'occasion de changer. Tu veux être le caillou? C'est pas le plus intéressant. Top tier pourtant. Le scarabée. Ah, ouais, c'est bizarre. Vrai que le caillou c'est OP, mais. Oh! J'ai trouvé un damage up. Quoi? C'est vrai que le caillou c'est OP, mais c'est un peu boring.
Alors, quel ennemi tu voudrais? Alors, il y a Léo la flamme ici. Il n'y a plus Léo la flamme. Ah, il y a oiseau. Ou ouais. Électricité. Il n'y a plus oiseau. Il n'y a plus électricité. Je veux jouer tout seul. Après, c'est pas grave. Je suis sûr que tu voudras Meta Knight là. Ah, c'est vrai qu'on offre Meta Knight. C'est à l'occasion, ouais, carrément. D'ailleurs, je crois qu'il a deux animations Meta Knight à cette entrée, de ce que j'avais compris. Deux animations, c'est-à-dire ? Genre, je crois que si... je crois que c'est avec un truc de l'épée, ou alors c'est vraiment quand tu l'attaques d'avance, il a une autre animation, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Il faut ramasser l'épée, et si tu la ramasses pas, il... Bah, ouais, c'est surtout ça aussi, je crois. Bon, voilà. Ah. Viens dans mon équipe. Il veut pas. Ah, regardez, c'est le skin de Kirby dans Smash, le 8. Il voulait pas venir dans notre équipe. Je crois que ça a cancel le cœur. Ouais. Bon, tant pis. Bah, écoute, au moins, ça collectionne les petites pièces. Ah, attends, il faut que je m'appelle. Attends, c'est... Ah oui, c'est pas... C'est des roches avec Meta Knight. Dark Meta Knight. Et moi, ça, c'est rigolo. Je pas d'ailleurs dans ce jeu. Dark Meta Knight. Bah, c'est... Bah là, c'est juste vraiment l'histoire principale. C'est... Après... Non, je pense même... Non, c'est un caméo, ouais. Ouais, c'est... Bah après, les amis de rêve, quand ils sont considérés amis de rêve, c'est... vraiment, ils sont là juste pour que tu ensuite les accompagnes et tout, etc., quoi. Oh, mon ami de rêve. Bon, ça fait marrer, ça fait marrer vraiment le nom ami de rêve quand même encore. Genre... Non, je dis c'est toi mon ami de rêve. Ouais, mais je... Ah, c'est moi ton ami de rêve. Oui. C'est beau ça. Je suis gêné. qui lui dit? Parce que en vrai, juste tu nommes vraiment ami de rêve pour un personnage de Kirby. Franchement, imagine l'ami de rêve, t'as Max. Ah, pas très un ami de rêve, ça. Genre, tu dors, tu vois qu'il y a un conflit, et là, tu vois un bouffon qui arrive et fait... Il fait... Hé hey, hey, il faut, pour calmer le soleil et la lune, il faudrait aller récupérer les 7 boules du cristal, genre... Pour devenir Dieu. Je ne perdrai pas cette clé, promis. Ok. Fais confiance. Après, si j'avais la clé, j'aurais pu voler, je crois. Merde, bon, mais attends, il revient pas en plus. Ah, si, c'est bon. Putain, le stress, je hein. Suis pas digne de confiance. Oh putain, quel idiot. Vraiment, c'est deux secondes pour dire ça après. Je ne perdrai pas cette clé là, je la balance dans le jeu. Oh, et puis merde. Merci pour la pièce. Hop là. Le mec du bar là, allez tu passes. Ah bah ça c'est l'épée. Ah non, c'est pas trop l'épée ça. Est-ce que je peux trouver une épée? Ah bah oui, t'en as une épée. J'ai une grosse épée moi. Hop là. Combo deux fois. Attends, ouais bah je pense que je peux la couper aussi. Ouais. Les gars, tu vas bientôt classer. Ouais, prends le cowboy. D'accord. Non. Je combattrai jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier combat. Je veux être Knuckles Joe. Ah, il y a Léo la flamme. Bon, adieu. Bah, écoute, c'était je mon vais... dernier combat. Tu sais. Ouais, plus hein. J'ai été vaincu, mais grâce au pouvoir de l'amitié. Et grâce au pouvoir de l'amitié avec de Magolor. Ouais, l'ami là, Magolor. Oh, c'est une belle douche de feu, ça, j'aime bien. Ah, c'est bien joué, ça. Attends, je regarde si. Non. Il y avait pas de bonus. Non. Oh, bah attends. Hop là, j'ai bien fait. Ouais, là. On l'aurait pas eu sinon. Bon, je pense qu'on l'aurait pu l'avoir. Hein. Putain, ça, c'est chiant, par contre. La combinaison pour faire le truc, c'est. Non, toi, on peut pas le combat. Je pense qu'on aurait pu l'avoir. Même pire. Alors attends, ça il faut réfléchir. Bon, c'est les deux car littéralement en vrai. J'arrête de jeter des. Des pommes joyaux là. Bon, on prendrait bien des pommes joyaux pour le jeu là.
Et yo, le professeur, est-ce que je peux utiliser des bombes pour exploser le lycée? Non, attends, j'ai envie de retrouver ce scan parce qu'il me fait encore marrer vraiment. Genre, sur l'épisode en question du manga que j'ai pas. Que, d'ailleurs, c'est aussi un autre manga de Kirby qui est pas encore dispo. Ah, ah non, c'est toi, ok, ça va. Un peu horrible de dire ça, mais bon. Oh, mais chance, hein. Bah après, oh bah j'ai pris un peu de risque, quoi. On n'a pas eu de damage à passer. C'est du peu, ça, je crois. Oui. C'est pas de la glace. Ah non, c'est de la glace. Ouais, ça en noir et blanc, compliqué, quoi. Non. Oh, je veux dire, là, ça va être compliqué. Bon, t'inquiète, je prends des sacrifices. Ah oh, oui, évidemment, j'allais prendre dans la gueule. Réanimer ma gueule, alors. Ah, je passe en automatique au lieu de te rester le bouton. Allez, je me barre. Quel idiot. Bah du coup, t'as un ordi. Hein. Ouais, autant roi. C'était le mauvais bouton. Mais du coup, pour le scénario, c'est vraiment genre Kirby, il bouffe une école. Et oui, réellement. Il commençait juste à dire tiens, j'ai un petit mal au ventre là. Et il commence à recracher une école entière. Attends, mais attends, je suis obligé de te montrer le comic, c'est pas possible. Genre, tu vas voir, tu vas dire putain, il a pas tort quoi. Ça existe vraiment. Il a vraiment bouffé une école. Je suis sûr qu'il y a des trucs dans ces blocs. Non, rien. Ah, les blocs au-dessus, là? Ouais, ceux-là. Bah, c'était juste des points, je crois. Des petits points, ouais. Non, il y avait rien, t'as raison. Des petites pièces et tout. Oh, ah, ça, c'est... Ah bah, justement, on voulait en chercher. Ah, non! Ou attends, bien joué. Parfait. D'accord, tu l'es, ok. Ouais, je peux pas choisir si ça remplace automatiquement. Ouais. C'est un peu triste ça d'ailleurs, il y a que le premier jour où tu peux choisir. Encore ça, je peux comprendre, mais. Bah, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt, je suis ce jour 2 et ça remplace mon perso. Ouais. Quoi. Bon bah voilà. Nous sommes protégés. Le film en noir et blanc, hein. Il a fait vraiment. Il s'est cru qu'il était d'ourson sous la pluie. Hein. Allez, un petit bisou. Oh, j'ai oublié que j'avais le. Attends. Bah, monte quoi. Genre, qu'est-ce que tu peux... Les autres ils veulent pas monter là. Il va pas se sacrifier. Mais du coup, je pense que. Je crois que s'il y a que sur cette version 4 où il y a justement Tarenza et Suzy aussi qui propose un petit truc de ce style-là, genre un peu un sorte de pronostalgie sur l'ancien jeu pour reprendre le truc. Il y a même une petite backstory derrière, un petit lore. Il me semble que Tarenza il fait l'aventure aussi parce que il espère que les cœurs réaniment comment elle s'appelle déjà. Ah oui, la reine. C'est ça. Bah écoute. Pour te dire, je vais pas te mentir, quand j'ai vu le. Parce que j'ai revu des trailers pour présenter le personnage, il montrait justement Tarenza qui voyait une ombre de, bien sûr, de la reine, quoi. De la reine Bi. Qui. Ah oui, bah attends, c'est avec ça. Oh, ouais. Bye bye. Je crois que tu peux piloter en plus, je crois. Tu peux monter haut en bas, je crois. Ah ouais? Ouais. Bah, je peux essayer. Bah écoute, essayons à nouveau, tu sais. Ah, attends. Bah oui, en vrai, on peut faire ça, hein. Clairement. Regarde, essaye. Je vais vers le haut. Non, ça fait rien. Ah, dommage. Bon, bah, dans tous les cas, il faut de l'électricité. Ah non, quoique, je suis de l'électricité. Non, ça devrait fonctionner. Déjà. Ouais, mais c'est pas. Voilà. Mais du coup, il montrait Tarenza qui voulait choper une ombre de la reine, de l'abeille. Et bon, il se camèle comme une grosse merde, mais... Le voilà. Pauvre. Oui, bon. Après, c'est vrai, je peux pas dire le mot, mais je vais le faire avec l'acronyme. En français, dégueulassement. C'est un mec qui a des écureuils dans son pantalon, donc c'est normal, je peux comprendre.
Ça. Resistant. Oui. Et du coup, si. tu savais pas que c'était. Non, ça va. Ça... Du coup, moi, à chaque fois que je veux. Arrière. Ah, vas-y. Mais du coup, quand j'essaie d'éviter de dire le vrai mot, parce que je crois qu'il est panissable maintenant, ce mot, c'est que du ouais. coup, je dis en français à la dégueulasse en disant j'ai des écureuils dans mon pantalon. Hein. Et ça fonctionne en plus. Hein. C'est juste que. C'est Francisca. Est-ce que je peux avoir du vent, s'il te plaît? Parfait, merci. Bah voilà. Et au fond, du vent, je suis là. Mais attends, est-ce qu'on peut devenir les trois mages? Ça serait incroyable. Ah, c'est, j'ai pas essayé, c'est vrai. Peut-être que si tu le prends, je pense que ouais, tu deviens directement par rapport au personnage que... Mais je sais pas. Parce que j'ai jamais essayé, parce que... Soit les boss, c'était la version où... attends. Un petit melon jus, là. Pas mal, ça. Je l'arrache, moi, y'a pas de... Ah, est-ce que tu peux l'avoir? Ignorer. Ignorer. Il faut tuer les trois pour ça. Il faut tuer les trois. Ah bah, une de plus. Bah attends, on va demander. La... On va demander à Flamberge, est-ce que tu peux clamser un peu? C'est pour un ami. Tu peux devenir ma petite amie, Flamberge. Eh, hey, Francisca, peut-être c'est la meilleure, mais toi t'es pas mal. Tu me fais chaud au cœur. Vraiment le fun d'écureuil hein, dans les pantalons. Enzoned. Attends, alors attends. Avant qu'on fasse la prochaine étape, je vais juste te montrer en stream les scans. Alors. Ah, attends, oui, évidemment, vu que je partage mon stream. Hop, je vais essayer de le masquer. Alors, juste que... Voilà. ton de Disney, mais bien. Bah, j'ai vraiment cherché Tispo, ce roi des doux, et je suis tombé sur ça, j'ai fait ah, ok. Alors... Hop, alors maintenant, il faut que je trouve le scan exact. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Parce que sur le site où je suis, que j'ai pu découvrir des trucs, c'est avec ce site-là que je peux recommander. Alors après, niveau traduction, je sais pas si c'est de la bonne traduction, parce que c'est un peu de la... tu sais, c'est l'anglais. C'est de l'anglais traduit japonais et du français anglais, tu vois. Donc, ouais. C'est... Ça peut être un peu... Alors, attends, je regarde lequel c'est, précisément. Ouais, c'est celui-là. Ou alors, attends. Non, c'est... Attends, j'essaie de retrouver, quand même. Putain, j'avais... Ou alors, ça doit être sur un autre site. Attends. Faudrait que je revoie. Faudrait que je revoie... Mais par contre, je peux montrer un parti d'un chapitre très drôle qui s'appelle Tarenza et les donuts. Pour montrer à quel point que Tarenza ne se fait pas très respecter. Mais attends, je vais essayer de retrouver... Alors attends, Kirby manga. Je vais faire une recherche à côté. Mais voilà, je vais mettre juste à côté au moins l'aventure de Tarenza et du donut. Voilà, c'est très important. Tu me dis si tu le vois sur le stream. Oui. Voilà. Donc... Voilà, ça c'est un autre manga de Kirby. Que pour l'instant, il n'y a pas eu encore de version française. Les seuls mangas que j'ai, c'est seulement Les Aventures de Kirby dans les étoiles, qui n'est pas celui-là, et Kirby Fantasy, qui n'est pas non plus celui-là. Donc voilà, ça va venir, je pense. Mais voilà, genre, vrai, je crois que oui, en plus, il y a une page très drôle. Alors regarde, ici se trouve le pays fort paisible de Trimland. Monsieur Tarenza, voici votre thé. Monsieur Tarenza, voilà vos casse-croûtes de l'après-midi. Oh, la collation d'aujourd'hui est un donut mon préféré. En France. Hé, hey, Kirby, arrête. Comment oses-tu? Kirby, abruti. Ouais, c'est insulte. Hein. C'est tellement injuste. Je te battrai aujourd'hui à coup sûr. Mais avant cela, je devrais le noter ici. Popolopopo. Aujourd'hui, je te battrai un coup sûr, dis-je. Il manque jamais de... Il ne manque jamais de laisser une note dans son journal comme on s'attendait de Monsieur Tarenza. Et là, genre, une sorte de donut de l'espace. C'est ça, tu peux le trouver à Lollipop Land. Il est assez mystérieux. Mystérieux. Ouais. La troupe en sait des choses. Très bien, allons à Lollipop Land et cherchons ce donut. Je vais prendre ce donut et le garder. Moi, je change de voix d'un coup, tu vois. Je vais utiliser cette machine pour écraser Kirby. Il arrive. Maintenant. Hein?
C'est étrange, ça ne veut pas bouger. Et ça marche. Voilà. Ouf, il s'est carrément écrasé la bouche contre le, ouais. Bah, le cadre de la BD. Ouais, du manga, on rappelle. Oui, du manga, je t'avais. Ah, mais c'est un tas, t'es écrasé lui-même. Quel maladroit. Ce serait pas Tarenza. Ah oui, ça par contre, alors attends, j'hésite à le montrer en stream. Alors, pour vous donner le contexte, Tarenza est plat. Kirby fait bien sûr la technique du push à bouche. Donc voilà, il fait la technique du push à bouche. Donc, alors. Mais attends. le push à bouche n'est peut-être pas. Alors, peut-être que dans le lore, Tarenza a deux bouches. Il l'a gonflé, hein. Et pas n'importe quel endroit, hein. C'était affreux. Voilà, après là, il se fait cambeller à Lollilop, là. Ouais, maudit sois-tu, Kirby. Master Tarenza, que vous est-il arrivé? Que dirait sa majesté si elle vous voyait comme ça? J'étais mis hors jeu. Kirby est stupide, c'est un idiot. Je hais ce cercle. Là, je vais utiliser ceci pour achever Kirby. Et là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est là vraiment les scans, mais il met juste C. Juste C. Quand cette maudite effigie entre en contact avec un cheveu de la victime, celui-ci ne rencontre que le malheur. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais attraper un cheveu de Kirby. Et là, attends, il y a mon chat qui veut sortir. Alors attends, je te laisse réfléchir comment il va réussir à attraper ça avec ses petites cadres. Réfléchis bien. Réfléchis. Il n'y a pas de cheveux de Kirby. Est-ce que tu as réussi à comprendre? Il n'a pas de cheveux Kirby en fait. Et oui, il a une calvasse. Il est aussi chauve. Ah que... oui. Alors là, c'est vraiment. Il faut vraiment comprendre la logique du manga. Mais ça, c'est vraiment. Quand j'ai vu la case, j'ai fait. Attends, sérieux, c'est vraiment. Ça vient de ça parce que je l'avais déjà vu cette case. Mais il vraiment. Est espagnol. C'est pas de l'espagnol, tu vas voir après. Genre. Non, il n'y a pas de cheveux. Ah, pas un seul cheveu. Pas un seul. Oye, oh yeah, Tarenza, c'est ça? Tu. Meta Knight? Et là, tu vois. Essaie de comprendre déjà le dialogue. Et après. Essaie de comprendre ça. Voilà. Hein? Prends ça et va derrière les buissons. Hein? Genre, va chier ailleurs, quoi. Ah. Enfin, je pense que... Je pleurais plutôt, non? Bah, on dirait que c'est quand même du PQ, on dirait quand même. Ouais, mais... Attends, il y a pas d'autre signification. Là. Non, c'est vraiment va chialer alors quoi. Oh putain, le pauvre. Ça sent bon. On dirait que le donut, nous avons parlé à Pentra, est tout prêt. Bientôt, je vais partir devant et m'emparer du donut. Tu vois, il lâche un 1 avec un grand sourire là. J'ai marché dans du chewing-gum. Ah, je peux plus me s'enlever. C'est Arinta. Il est là, donut spécial le donut. De... Ah, c'est le donut spécial, attention. Hein. Oupinaise, Marge, j'ai trouvé un donut. Très bien, à présent, rentrons. Il a l'air bon. Ah Kirby a volé mon donut cette fois, une fois de plus. Je suis battu. Kirby, espèce de... Oh, mais The Tarenta écrit encore des lamentations. Et là, la plus belle histoire. Hein. Franchement, le chewing-gum est parti. Hein? Tarenza, je te recherchais. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas encore voir ta tronche aujourd'hui. Mange ça. J'ai mangé ton casse-croûte d'après-midi, donc tu peux avoir ça. Tu peux avoir ça. tu es allé chercher le donut pour moi? À demain. Eh, ce donut est vraiment délicieux. Écrit boy. Voilà, donc... Ah putain, scan sexy slime quand même. J'avais même pas vu ce qui a fait les scans. On remercie traduction française Wadidi. Mais c'est pas ce manga, attends. Merci Wadidi. Je vais rechercher les scans parce que je sais que c'est un scan très connu. Alors il faut juste que je le retrouve parce que c'est un peu compliqué les scans Kirby parce que quand j'ai dû faire la vidéo, j'ai dû galérer à mort pour retrouver vraiment les scans.
Parce que c'est assez compliqué quand même de chercher des scans. Hein. C'est surtout venant de Kirby, c'est un peu vraiment. Alors, attends, est-ce que ça serait pas celui-là? Je regarde. Ok, c'est celui-là. Mais ah non, attends, c'est peut-être. Non, c'est peut-être pas celui-là. Attends, peut-être que ouais, c'est un autre style. Attends. Putain, c'est assez compliqué à chercher en plus, quoi. Parce que, en vrai, les scans, ça me fait vachement marrer à chaque fois. Je me dis, putain, les scans du manga, c'est stylé. Ah voilà, c'est celui-là, mais il faudrait que je chope son nom. Le nom précisément du manga. Alors. Non, c'est pas avec Mega. Hop, on va ouvrir avec ça directement. Ok, j'ai le nom. Ah bah d'accord, c'est le même nom que j'avais cherché tout à l'heure. Bon, bizarre. Scan. Voyons voir. Est-ce que je vais trouver la version française? Ah si. Bah attends, c'est pourtant celui-là. Hein, c'est bizarre, je m'attendais que c'était un autre. Attends, je vais vérifier à nouveau. Du coup. Ah bah parfait, c'est juste, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est juste que ouais, ça venait du même truc. C'est bon, j'ai retrouvé. Voilà, c'est bon. Donc, leçon du professeur Kirby commence, voilà. Il va brûler l'école. Non, attends, spoil pas tout, écoute, regarde, écoute le scénario. Un jour, dans l'intense et paisible à Dreamland, Kirby, pourquoi tu tousses? Quelque chose est coincé dans ma gorge. C'est une arête de poisson qui est restée coincée. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, là? Bah, écoute, je traduis. Hein. Pas trop enrhumé, quoi. Ouais, je tousse. Oh, putain. Mec, j'ai vraiment sorti une école. Oh. C'est une école qui était coincée. Ah, ça faisait bien. Une école qui était coincée, j'y crois pas. Comment as-tu pu aspirer l'école comme ça, Kirby? Ah ouais, je pensais que j'ai accidentellement avalé l'école un peu plus tôt pendant que je prenais mon déjeuner. Genre, voilà, ça c'est Kirby toute la journée. Allez hop. Oh, le cours commence. Très bien, je vais aller à l'école aussi. Eh bien, commençons le cours. Allez hop, première leçon sera la pause déjeuner. Le deuxième cours sera la pause déjeuner. Le troisième cours sera également une pause déjeuner. Pause déjeuner. Pour changer, hein. Ouais, vraiment. Genre, après, la totalité du programme est juste une pause déjeuner. C'est con. C'était trop méchant, je suis désolé, Kirby. Léoné. Et là, voilà, là, on a la case avec tout plein de trucs. Donc, genre, je vais attendre que Kirby baisse sa garde, puis frapper. Quel idiot. Monsieur Kirby, vite le cours. Le cours a déjà commencé. Yo, professeur, devrais-je détruire l'école? Vraiment, cette case, ça me fait toujours marrer. Hey, yo. Yo, professeur. Mais alors, quel fou, quand même. C'est un fou. Bibi, retourne à l'école. Détruire l'école. Bibi, retourne à l'école. Yo, professeur. Yo, professeur. C'est trop. Alors que pourtant, il y a quand même un boss Bézébuth à gauche, là. Genre vraiment, le yo. Yo, professeur. Puis-je détruire l'école? Nintendo be like, les Kirby fans, devrais-je faire un remake pour vous payer encore 60 balles? Les camarades de classe sont tous des boss de fin. Je vais transférer. Mais bien, c'est pas un boss de fin d'Azidou, putain. Ouais. Attention, le cours de maths. Voici 10 pommes. Si je les aspire toutes, combien y en a-t-il? Y'a plus. Ouais. Non, c'est peut-être 37. J'avais pas vu cette case, vraiment, genre... Mais t'as... Putain, c'est peut-être 37. C'est qu'elle dit 37, mais il est trop bête.
Alors que bon, il y a quand même Max qui compte, il fait 1, 2. Ah, c'est bientôt l'heure. On n'est pas encore au quatrième cours. Ce manga n'a plus que 4 pages. Putain, le détruction de, dans le mur, etc. C'est ce que tu voulais dire par heure. Dans ce cas, je vais organiser la cérémonie des remises des diplômes. Tout en essayant dans cette classe, j'ai gardé d'inopérables souvenirs. Tu n'as rien fait d'autre à part manger. La ficelle des armes, des arts amusants. La Palpatine faite du sport. La Palpatine, je crois qu'il y avait une seigneur Palpatine dans ton animé. Exécutez l'ordre Kirby. L'excursion que nous avons fait tous ensemble. Nous nous sommes diplômés pour avoir léché des couvertes des potes de crème glacée. Putain, le lourd le devoir. Après ça, l'école a devoir maison. Après ça, l'école a disparu avec une légère prise sans qu'on s'en aperçoit. Quelque chose est coincé dans ma gorge. Info sur, il a rapporté mon IUT. Allez, cours d'informatique avec Kirby. Mais bon, la meilleure case, hein, on n'oubliera pas, c'est quand même celle-là. Yo, professeur. Yo, professeur. Et monsieur le professeur. Eh, je m'en fous, je le prévois en émote bits. Franchement. Yo, professeur. Quand j'aurai de la place pour les émotes bits, etc., je mettrai une émote appelée juste Magolor Yo, avec une bombe, et en pointant du doigt. Genre. Putain. Yo, professeur. Yo, professeur. Ça me fait rire, j'avoue. Non, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Je sais. Yo, Mr. White. Hop, c'est bon, je suis revenu sur le jeu. Ok, parfait. Je remets le sujet de son du jeu. Vas-y. Ah merde, j'ai fait retour. Excuse-moi. Oh, c'est pas trop grave. Yo, professeur, je peux retourner sur le menu? Ah putain. Ami pour la vie. Yo, les friends. Ami pour la vie. Yo, le menteur. Yo, ça te dérange pas si... Bref. Je vais pas spoiler quand même. Est-ce que je suis sur le jeu? Oui, je suis sur le jeu. La manette, elle ne marche pas, je crois. Ah non, t'es pas sur le jeu. C'est... Ah oui, ok. Ok, bah c'est pas grave, j'ai juste un petit truc à finir, mais c'est très bien comme ça. Bah écoute, je connais cette musique, c'est la musique de l'arène dans... dans l'ancien jeu Kirby. Ouais. Kirby, alors... Superstar. Ouais. Si tu vois ce que c'est. Superstar, attends, j'essaie de me rappeler. Est-ce que t'as la rêve de Kirby de Zinedine Zidane. Ouais, de Zizou avec les émotions et tout ça. Ouais, champion du monde et tout. J'adore la ref. Après, bon, j'ai envie de te dire, dans un des mangas de Kirby, notamment celui de la collection que j'ai, il y a quand même Kirby avec un t-shirt de maillot de foot de l'équipe de France. Hein. Il adore l'équipe de France, Kirby. Quel bon fan. Eh, hey, Zizou dans, hey, Zizou, dans quel craquito, hein. En plus, ce qui me fait marrer, c'est que je pense que c'était à l'époque où il y avait encore peut-être Zidane. Celui qui a fait le manga, il a dû se dire, allez, on va laisser quand même ça. Ça peut être très drôle. Ça peut rendre hommage à Zizou. Ouais, c'était cool. La bonne époque. Zizou qui va voir le manga, il va faire... C'est les émotions. Je suis content d'être un personnage de boule rose. Pas convaincu, mais... Alors, je te joue pas. Est-ce que tu sais par contre pourquoi ouais, je peux pas rejoindre. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi je bouge. T'appuies sur start, ouais, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Je me rafle tous mes boutons. Attends, je veux juste. Est-ce que tu peux enlever la scène juste une seconde, s'il te plaît? Vas-y, pas de soucis. Hop, change de scène. D'accord. C'est peut-être. Ah, ma manette s'est déconnectée parce que j'étais inactif. Normal. Ok, bon, c'est ok. Bon, c'est bon, on est de retour. Ok, on est de retour. Salut. Voilà, ton petit Jambala. Jambala. Jamabal, Jambaboula. Je me balle les couilles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Eh, franchement, c'est...
Genre vraiment ce serait drôle, tu envoies vraiment à quelqu'un sur Twitter qui raconte sa vie, tu envoies cette image et tu mets juste des textes en, tu sais, en impact en disant je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Oh non, je voulais pas faire... Oh non, je voulais pas faire le train. Une force à courir. Non. Mais pourquoi vous avez pas couru, vous êtes en train de voler. Ça brûle les pieds. Le mec il a cru comme le même ou c'est le mec sur la chaise, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec qui fait non. Wait. Oh pardon. Attends, attention, on a failli mourir là. On a fait avoir un accident. Tu veux que je fasse mourir? Non. Hop là. Putain, merde. Quel canard. Je suis vraiment le pire, désolé. Oh, vraiment, le premier degré, hein. Tu veux que je le fasse? Pas de soucis. Je suis vraiment désolé. Déjà quoi? Content, après. Bah, si, attends, tu sais quoi? Je lâche la manette, vas-y, je te laisse t'amuser. Je voulais nous laisser tomber vraiment pour le même. Genre, vraiment, la chute. Je te laisse récupérer. Allez, je récupère. Ton chargement, il est plus long que le gameplay, là. Hein. Putain, en plus, j'ai essayé de trouver des transitions pour la prochaine vidéo de Kirby. Avec, en plus, les transitions du monde oublié. Et, bah, en vrai, les fonds verts et tout, ils étaient géniaux. Mais par contre, je crois que la qualité était pas si ouf. Et du coup, bah, finalement, j'ai fait un truc... Écoute, moi, j'ai fait un truc tout bête. J'ai fait, allez, je vais reprendre le logo de Kirby avec l'étoile. Et je vais faire tout simplement, je vais juste refaire avec un autre style. Et bon, ça fonctionne. Ouais. Hein. La transition est clean, en vrai. Mode dehors. Et en plus, c'était vraiment le jour où j'ai dû, où j'ai morflé pendant le week-end. Hein, pour ce qui était au début du stream. T'étais malade ? Non, c'est en gros, si tu veux, je fais, si tu veux, une soirée entre potes. Le vendredi, je précise. Ensuite, je rentre à genre 3h du mat. Ah. Ah, sauf que à 8h, j'ai. Tu vois quoi? Hop, de l'air. Et genre à 8h du mat, je devais participer pour faire un tournage pour les études, etc. Donc voilà. Parce qu'on avait samedi. Et du coup, j'ai dû me lever à 6h pour prendre un bus pour arriver à 8h là-bas. Il faisait froid. Très très froid. Et bah j'ai bien clamsé. Verdict, on s'est bien fait chier, quoi. Et bah du coup, j'ai quand même avancé du montage sur cette vidéo, justement. Et en une seule journée, j'ai fait l'introduction. J'ai fait l'introduction de A à Z. Genre vraiment... Ah, pardon, désolé. Ouais. Et j'étais malade et tout. Bah, bien joué. Bah, en quelques heures, j'étais pas malade, mais j'étais en train de mourir, quoi. J'étais là en train de dire... Oh. Et alors, attends. Quel frère, je sais pas. Je vais juste mettre pause pour parce qu'il y a le chat qui gratte. Ok. Hop. Où c'est avec Magolor? Et après ça, genre, j'ai avancé le montage, mais en plus de ça, j'ai dû m'endormir vite fait après une conversation pour un autre travail à 16h45 pour dormir 3h. Et. Après avoir mangé, j'ai quand même avancé le montage et j'ai fait tout ça en une seule journée, l'intro. Donc... Qui lui dit il a speedrun le jeu, là. Je parlais pas du jeu, je parlais du montage. Qui lui dit ça, sérieusement? J'ai speedrun ma vie, hein. Réel. Putain, j'arrive à quand même esquiver. Attends, je vais voir si je peux. Possible, non. Parce que c'est un personnage secret, après. Ouais. Après, on dirait... Ouais. Bah, je pense que, ouais, ça va être vers... possiblement... Voilà. Il faut finir en mode de jeu à 100% pour l'avoir, du coup. Non, je pense pas. Oh! Si. Ah, c'est... Lorenza. Ah. Ouais, ouais, on reconnaît, ouais. On reconnaît le donut légendaire, là. Voilà. En gros, il faut que tu finisses les mondes parallèles pour les débloquer. Et il faut avoir tous les cœurs et tous les secrets, c'est un peu chiant. Ok, je savais pas. Les mecs, ils spam. Hein.
je regardais si il y avait quelque chose derrière. Oh, il y a un coffre. Bon, la vitesse. Ouais, la vitesse, c'est pas si mal en vrai. J'aime beaucoup la vitesse pour speedrun là. Bah, moi, souvent, je. Si tu veux, en plus, je crois que vraiment, comme je t'ai dit, vu que c'est Magolor et. Taranza et Suzy, vu que je pense qu'ils ont tous le même truc différent, c'est-à-dire tu commences l'aventure et t'as à peu près des petites références par rapport à leur jeu, genre en essayant de reprendre pas quasiment parfaitement le niveau, mais ouais, tu dis tiens, ça me rappelle un niveau ça. Ouais, c'est ça, il y a des petits trucs. Alors que les autres, c'est vraiment bon, c'est par rapport à soit avec l'objet et tout, et enfin, il n'y a pas un truc là. Attends, je vais regarder. Ça brûle. Ouais! Mange. J'ai distribué. Dealer de drogue. Pas un seul dealer de drogue. Les diabétiques en sueur devant ce jeu. Hein. Ah! Il va mourir par là. Il est mort de décès. Voilà. On y go. Ah, hop là. Bien joué le bot. Il a trouvé un secret. Vite. Combien de temps il nous reste? Vite, cherchons la clé. Oh. Ah. Désolé, j'ai abandonné par un seul. Oui, pas tout. Il y a aussi un coffre en bas. Bah, dans tous les cas, il faut. Ah oui, bah, les coffres. Okay. Je crois que les coffres, c'est ceux-là, ils sont pas grand-chose, c'est juste des petits points, quoi. Non, bon, mais on va faire comme si on savait pas que c'était à gauche. Hein. Le mec, il va vraiment faire son let's play à 100% de nos spoilers. En fait, là, y avait rien. Là, il faut que tu utilises ton pouvoir. Tu peux nous envoyer en bateau? Je préfère oui, la bagarre. Bah, j'ai quand même la clé, hein, pour tout. Qui lui dit, hein. Hop là. Bon, moi, ça c'est fait, on remonte. Oh. C'est là. Oh, oiseau. Oh. Ah pardon, désolé. Bah, c'est pareil. Bon, ouais. Oh bah tiens. Mais bravo. Hop là. Oh, quel ami de rêve tu voudrais être? Vois-tu? Alors, j'hésite entre les trois mages et Taranza. Alors, attends, Taranza. Plutôt Taranza. Mais... Allez, ouais, pour respecter un peu parce que. Mais attends, mais on n'est pas du tout dans le gameplay retour à Dreamland là. bon. Il s'est incrusté lui, qui l'a invité? va chercher un donut plutôt, hein. Genre ce que j'en fais de ton donut. Attends, tu veux que j'invoque ma reine? Oh, ma queen. Attends, je me permets de vérifier. Ouais, parce que de ce que j'avais... Ah voilà, super... Non, c'est pas... Ah voilà, spectre de la reine. Spectre de la reine. Bah, c'est à peu près comme avec le même truc avec mon épée, c'est-à-dire tu fais bas, haut, et ensuite tu enchaînes tout de suite... Bah, puis. Oh. Ah, sur le biforme, ça a l'air de bugger. Ouais, attends. Ouais, on va faire sur le sol là. Look, ma queen! Voilà. Ça s'appelle Sectonia. Ah, il avait dit la voix là? Ou. Non, il l'a pas dit, c'est juste okay. Je m'en suis rappelé. Ok. J'étais pas sûr au début, c'est pour ça. Puzzle. Bah, c'est du parcours, hein. Des fois, j'aime bien speedrun ici pour vraiment aller à fond, et des fois, je me foire que pour le deuxième saut, quoi, si tu veux. Enfin, et tu tombes et tu meurs. Voilà, et du coup, je t'attends à recommencer. Bah, super. Bah, attends, je vais prendre quand même un personnage. Ouais, Chili est pas bien pour l'instant. On va le changer pour une fois. Il est fatigué, là. Il a besoin de se refroidir. t'es une bioque parce que Chili, en fait, il est... Chili, il est dans un autre manga déjà. Ah. Ah, tu voulais un des trois derrière? Non, j'étais juste en mode. Oui, après t'étais un Z donc. En mode spectre. Ah, excuse-moi, je me permets de. Ah, pardon, excuse-moi. Une seconde. Vas-y. Pour. Checker un truc. Garde magique. Oui, je te remercie. Ouais, t'as que le pouvoir de... du bon. Elle me flatte. Hop là. On fait de l'acrobranche.
Attends, il y a de la bouffe. Ouais, j'ai tout pris, c'est bon. Attends, je vais invoquer le bateau. Allez, monte. Mais monte. Et voilà, c'est bon. Attaque-le. Bon, c'est la one shot. Je crois qu'on peut être pote avec Wispy Woods. Pas notre avis. Tu sais, c'est un gros tronc comme ça qui fait. Attends, tu sais. Ah putain, je voulais. Je voulais qu'il soit au moins haillé, quoi, mais bon. Attends. On peut le ramener après. Oh, le lancer. C'est Iggy Wood. Non. Ah oui, Iggy Wood. Oui, c'est bien Iggy. Ah. C'est grave ce que je fais quand même. Je sais plus où je suis à cause du trampo. Oh salut. Ah merci, ouais. Voilà. T'as vu comment je slide? Les moves. Dans l'eau! Ah, il y a des petits problèmes de. Attends, là, il y a à droite, il y a du bleu là, mais c'est pas de l'eau. Ouais. Oh, c'est rien, on a rien vu. Ouais, tu sais, c'est Nintendo, ils font à chaque fois des problèmes. Bon, leur jeu là, il est nul. Non, je pas bien. D'ailleurs, ça me fait marrer, mais j'avais vu une image sur internet. Et je me dis, putain, c'est vrai, ça serait trop génial en vrai. Mais il y a des jeux, ils montraient des jeux où ils avaient pas de DLC, tu sais, genre de DLC, que ce soit payant ou même gratuit, tu vois, genre. Mmh. Et ils montraient Kirby et le monde oublié. Je me dis, putain, DLC Kirby, le monde oublié, ce serait pas mal en vrai. Ah, ce serait vraiment bien. Parce qu'en plus, vu qu'il était conseillé jeu de l'année, je me dis peut-être qu'en Nintendo, ils font, allez, on va sortir la carte bleue des fans. Enfin, il est pas conseillé comme jeu de l'année, bien sûr, mais bon, pour moi, c'est personnel, mais... je conseille. Il est jeu familial de l'année. Jeu familial, c'est très bon jeu. Ouais. Franchement, je me suis dit, il est là, bon, bah, on espère, parce qu'en plus, ouais, il y avait d'autres jeux, je me suis dit, ouais, Mario et les Lapins Crétins, ils ont peut-être leur chance, ou même d'autres jeux, et là, je me vois Kirby, je fais, oh, ça va. En plus, c'est Doc Bowser qui l'avait récupéré le trophée. Hein. Quel crack, celui-là, quand même. Je crois que la reine les a calmés. Et mon tour, mon épée. Ah. Bon, ça suffit maintenant. Trou noir. Putain, en plus, je l'ai bien placé, quoi, genre. Ah, bah super. Bon, bah voilà, mon trou noir, tout fait. Le con, quand même. Hein. Il est parti, il a pas vu le trou noir. Il s'est dit, bon, attends, je vais revenir. Il est rentré dedans. Bien inspiré là dans la mort. Tellement poétique, c'est comment tu l'as dit. Ah, merci. C'est un Genki Dama, ça. Je reconnais ça. Ah. Bon. Le fameux jeu Boule de Dragon. Ah, c'est encore sur l'écran. Hein. Attends, il y a une... Bon bah... Attends, je suis où là? Oh, le bordel que c'est. On a raté la pièce de puzzle, désolé. Où suis-je? Ah, c'est la fameuse... le fameux passage où on doit faire des combinaisons aussi. Où c'est en... Ah, non, ouais, c'est bon. Ah. Tu as fait quand même de fausses, au final. Attention, je fais une nouvelle pour tous les grands fans de ce youtubeur. Bibi a lancé Vegas Pro 18, attention. Ah oui. Bonne année 5 arrive. Bonne année 5 arrive, attention. Bibi qui arrive dans le chat, c'est pas vrai. Oh, alors, oui. Ah, fallait peut-être le prendre. Je crois qu'il faut le prendre, il me semble. Ouais, en vrai, vu que j'ai. Je sais pas si on a le pouvoir de la glace entre nous deux, mais. Voiture. Et puis Chili, ça fait longtemps. Ouais, genre... Ah, on t'a pas du tout abandonné, mon pote. T'inquiète, écoute, t'as ta série manga avec Kirby, t'inquiète. Après, peut-être qu'avec le vent, j'aurais pu éteindre... Ouais, voilà, c'est pour, je pense, éteindre ça, quoi. Genre, hop.
Il faut le marteau. Ouais, attends, bah, attends, je vais voir si je peux quand même. Attends, on va voir quand même. Dommage, ça aurait été drôle. Le marteau, il est pas ici. Bon, après, dans tous les cas. Je sais juste que des fois, celui-là, je le termine en... je le fais en dernier. Parce que je crois qu'il est pas trop utile. Ah non, bah c'est... on l'aura besoin, même si on l'a déjà, quoi. Adieu, j'ai visé. Ah, ah regarde là. Hé, hey, t'es dans ma toile. Oui, on a compris. Non, mais c'est... je l'ai emporté, c'est très drôle. Il n'y a pas de la peinture quelque part Bah si si, mais d'abord on doit s'occuper à, avec, à casser les murs. Ah bah attends, j'avais le lore. Je crois que j'avais le lore. Ouais. Ah, non, c'est le marteau qu'il nous faut, c'est vrai. J'étais en train de réfléchir. Ah voilà le marteau, juste là, parfait. Viens vers mes pommes. Hop là. J'allais vraiment l'emporter quoi. Hop là. J'allais le déglinguer. Hop. Non, avec le marteau, ça va être bon. Il devait y avoir d'autres endroits aussi. Il y a aussi cette porte-là, quoi. Enfin... Et là, montez dans le lore. Mon vaisseau. Hop là, un peu de santé. Enfin, un peu de vie, quand même. Même si on en a 28, hein. Bah attends, ouais. Ah non, quoique, on l'a. Non, on l'a pas fait, c'est vrai. C'est... Là, c'est... Je sais c'était qui lui suit, là, du coup. C'est le chef. C'est le cook. Les team cook. Oui, il est tout cook. Allez, tu t'en vas. Hein. Il nous reste un boss. Oui. Et le boss, il est tout en haut. Voilà. Parce que je voulais justement que ça pète... Et non. Tu vas pas le capturer. Hein. Le pauvre. J'aime bien capturer les gens et les manger après. Ah, la petite tarentule, là. Parce que oui, il faut pas oublier que, d'ailleurs, l'origine du nom de ce personnage, de Tarenza, c'est parce que ça fait tarentule. Ça ressemble un peu à dire tarentule. Ouais, c'est un peu une araignée, là. Le mec, tout de suite, détruit tout l'ambiance du truc. Ouais, bon, c'est une araignée, quoi. Tu fais pas chier. Bon d'accord, on y va à pied, d'accord. Je speedrun peut-être. Mon perso est plus rapide que le mien. Ah ouais, je tue c'est avec mes petites mains pour voler plus haut. On y va. Oulet. Bon ça sert à rien, c'est juste... Bon c'est pas grave, c'est juste... Bah arrête. Là par contre... T'inquiète, c'est calculé. Je m'en souviens. Le mec est pas trop confiant après le troisième quand même. Et du coup, on va combattre. Bah là, on va combattre Francisca. À nouveau, la revanche de Francisca. On dirait vraiment un film. Tu vois, ado, mais tu vois, genre, c'est vraiment. Francisca, c'est une élève qui se fait bully et du coup, bah, elle cherche à tout prix pour faire emmerder tous ses amis ou des trucs comme ça, tu vois. Ah yes, j'étais freeze pour une seconde seulement. Le pistolet haut. Ça lag tellement, il y a trop de trucs les gros. Ouais. Oh. Ah ouais non. Elle disparaît. Mais non. Je disparais dans un autre jeu. Oh Krako. Ouais. C'est Krako. Oui.
Lui-même lui... Non, Krako. Really? Wow. Wow, Krako. Attends, attends. Deux Krako. Deux. Non. Putain, tu peux vraiment faire le... Tu peux vraiment faire le youtubeur putaclic, hein. Enfin, un, mais... Et c'est pas fini, tu sais, vraiment, le... Bah écoute, moi je vais utiliser le trou noir, ce sera plus rapide. Là. Ouais. Plus que deux étapes. Ouais. Et là, on a presque complété d'ailleurs ce tableau. Je pense qu'on va compléter dans la soirée. La soirée, elle se termine dans deux minutes. Hein. Parce que là, je dois aller manger. Ah non, plus qu'un. Okay. Ouais, de toute façon, c'est on fait celui-là et puis voilà. Bah oui, on aura et l'aventure. Ouais. Je vais faire un verre de jus, je te laisse. J'ai rien à attendre. Ah, ok, pas de soucis. Bon, écoute, ça devrait bien se passer avec moi. Déjà, je speedrun assez rapidement comme ça. Je vais revenir, il aura déjà affronté le boss final. Hugo, pourquoi on est contre Inès là? Inès. De son prénom de famille, hein. Ah là. Non mais en vrai, ouais, bon, là, je, du coup, pour ce qui... pour ce qui... ça pas toujours, hein, évidemment. La prochaine vidéo sera bien sûr pour les mangas Kirby. Et du coup, c'est avec les mangas Kirby qu'il y a que disponible en France pour l'instant. Parce qu'il y a... Il y en a plusieurs, comme que j'avais dit tout à l'heure avec Progress, c'est que... Il y en a plusieurs, mais... voilà, pour l'instant, on en a que 3. Ce qui est vachement pas mal déjà, en vrai. Bon, après, le troisième, c'est pas trop considéré comme un manga, c'est plus un roman. Et même ça, je crois qu'il y a même 2 romans du coup, ça fait limite 4 lectures. Quoi. Donc en vrai, c'est pas si mal. Et clairement, 4 petites lectures, toujours bien. Peut-être la 4ème lecture, je l'ai pas pris, parce que ça, c'était... On va pas dire non plus trop enfantin, mais c'est juste... bon, voilà, quoi. J'ai... Déjà, le roman m'a coûté quand même 12,50€. Hein. Ouais. Pas ouais, déçu, on n'est pas à la fin du jeu, là. Il est où ton speedrun, là? Moi, ce qui me fait vrai, c'est que je reste au bord, et les alliés, ils ont du mal. Alors, je pourrais pas te sauver, sauf si je fais ça. Voilà. Oula, j'avais... Ah, merde, je l'ai cassé. J'avais oublié, c'est... Je flexais. Comment ça, mon ref? Non, je dis, on peut recommencer. On peut pas recommencer. Ah, bon, bah, on s'est fait bien baiser. Tu vas payer. Écoute, tu m'as fait stresser, tu m'as dit... quoi, t'as pas terminé le jeu? Du coup, j'ai fait, bah, ouais, bah, j'ai pas fait la commande, aussi. C'était un peu simple, du coup. C'était un peu simple, l'énigme, hein. Bon, on peut arrêter, là. Moi aussi, je peux faire ça. Hein. Ah, fait chier, elle est partie de l'autre côté. Et on peut pas éteindre son canon. C'est dommage. Putain, si on avait Kirby, on aurait pu couper là. Je m'étonne. Tellement d'énergie maléfique là. On l'argent, on l'argent. Hé, hey, t'as une place. Oh non, la piscine. Oh non, la piscine, là, j'aime pas. En plus, ça lag. Alors fais gaffe, hein, c'est parce que si t'es coincé, là, c'est la mort. Hein. C'est... Y'a plus de temps, hein. Parce qu'en plus, je connais pas où sont les autres endroits pour avoir la baguette pour... Je sais que, par exemple, pour les ennemis par défaut... Ils ont leur truc, mais... Ah oui, ça... Hop, c'est bon. Et j'ai confondu les personnages. C'est que je sais que... Par exemple, au tout début, quand t'es avec les autres alliés, etc., bah, c'est assez simple, c'est vraiment dans le début. Et après, je crois que tu peux avoir un autre un peu plus loin, ou...
Dans la carte aussi. Ouais. Bah, ça, c'est l'aventure principale. Après. Alors, attends, j'ai oublié que si celui-là, je sais plus si c'est pour juste des points ou des trucs comme ça. Bah, écoute, on essaye. Ouais, c'est pour avoir au moins les. Non, c'est pas fou. Bon, c'est toujours bien, au moins, comme ça, t'as un beau tableau à la fin. Ouais, c'est vrai. Parce que bon, moi, vu que j'ai déjà terminé le jeu à 100%, avec en plus tous les. Les tableaux. Ouais. T'as pas un jeu au jeu. Bah écoute, le nombre de fois que j'ai dû faire pour essayer de réussir le. Quand même l'horreur, quand même, à tout réussir à 100%. Ah, ouais, ouais. Genre, j'ai pas ma farmée, hein. D'ailleurs, je sais même pas si je l'avais déjà raconté cette anecdote, mais quand c'était la première fois sur ce jeu avec des amis, quand on a eu le faux crédit du après avoir battu le roi des Hidou, la première réaction qu'ils ont fait mes amis, c'est attends, le jeu est vraiment terminé là. Pas pris une jambe. Alors que bon, moi je connaissais le truc, hein, je me suis dit ouais, c'est bien sûr une blague, hein, genre tu crois vraiment que je vais payer 40 balles pour ça? Un peu léger. J'aime bien, genre faire laguer mon ordi là, c'est pas mal. Ouais. Ça a tellement lagué que ça a tué Bonger. Le pauvre. Bon, attends, je vais. Ah. Oh. Bonkers 2. Ouais, mais du coup, t'es plus. Attends, quoi, j'ai envoyé un cœur sur Bonkers. Oh non. Bah oui, c'est pour ça. J'avais pas vu ça. En fait, écoute. Je crois que je me suis planté. Ouais. 3 Bonkers. Donne-nous le pouvoir, Magolor. Attends. Attends. Un cœur à l'électricité. Alors, levez les mains, s'il vous plaît, les autres. Attends, je vais le faire. Un qui. D'accord, nique ta mère. Non, c'est grave, les gars. Bah, alors, sans être sans trop être raciste, bien sûr, mais pour la blague, c'est des gorilles avant tout. Hein. Parce que bon, les cartes du corps, maintenant, on les appelle aussi. Trois non, gros. Non, mais... C'était trop. Ah, j'ai des wagons de livraison derrière, là. C'est très important, c'est très solide. C'est hein. Alors, sale tête, en plus, c'est grave. Et chacun a leur spécialité. Il y en a un qui est incendiaire, l'autre qui est toxique. J'apprends quelques petites techniques de speedrun, genre, hop. Voilà, ça... Ah, ça fait... Hop, petite technique. Youhou! Là, je sais pas si ça fait ralentir un peu, mais bon. D'ailleurs, quand tu peux pas sauter, il fait quand même le chou. Genre là. J'aurais bien aimé que tu fasses un tour de plus. Le mec, il s'amuse trop au manège là. Regarde quand même les angles droits qui sont proposés. Ouais, on protège quand même la famille à Chili, hein, au fond. Ah, pour la famille Léo. Oui, bon, ils s'enflamment un peu trop aussi, ces petits mobs, hein. Alors, ça me fait marrer, mais il y a vraiment eu aussi, sur le manga Kirby, il y a vraiment... une histoire sur Léo Laflamme et Kirby et lui, ils font un duel vraiment pour savoir qui s'enflamme le plus. Hein. Kirby est trop énervé pour ses enfants. Donc imagine le château roi des Didou en flamme. Ah d'accord. On a gagné tellement de vie. On commence avec 5, c'est ça? Donc, tu vas leur donner leur pouvoir. Moi, ouais, je vais attends, on va voir. Attends, je me suis un peu envolé. Alors attends. Non, ça fait rien. Dommage, attends. Ok. Voilà, vous êtes tous les trois électriques. Oh non, je ne suis plus uni.
Oh non, je suis plus l'unique. D'ailleurs, chose à savoir, et je sais pas si t'avais fait ça pour Kirby. Non. Mais en gros, tu vois, quand tu jettes ton marteau, quand par exemple t'es un bunker ou même un roi de Didou, et que tu jettes le marteau, tu vois, ça reste quand même, tu restes quand même le personnage. Ouais. Bah, quand t'es Kirby, si tu le balances, bah t'es plus le marteau, quoi. Jette ton pouvoir, ouais. C'est très con, mais. Allez, il y en a un qui sera un cow-boy. Yeeha. Eh ben c'est toi parce que tu l'as très bien fait. Il fallait pas faire rire. Hey, yo professeur, est-ce que je peux fouetter? Putain, allez aussi dedans. Maintenant, j'ai trop envie de faire une parodie de Breaking Bad avec Magolor et Kirby. Kirby. Ouh, ça, c'est mérité. Ah bah, yes, ça a pas touché le... Comment ils ses ennemis. Ceux-là ? Ouais. Bah, en gros, comment je pourrais dire, c'est en quelque sorte, tu vois, ils foncent sur toi et ils explosent et... Je crois qu'ils ont aussi la même mécanique où, par exemple, si t'es en dessous de deux, ils peuvent se lâcher, quoi. Voilà. Bravo. Bon travail. Bravo. Alors, hop. Ouais, quel était-il, vite fait. Ouh, celui, c'est... Ah bah attends, c'est pas le... Le monde parallèle ou un truc comme ça. Je crois pas. Oh. Ouais, alors, pour combien tu touches la comète hein. Allez, 50 balles. Fais chier. Yolle. Attends. Ça brûle un peu. Hein. Alors, attends, il faut pas que je me trompe de côté quand même aussi. Ils veulent pas venir, qui leur dit les singes. Pour rentrer dans le bateau là. Bon, vraiment bah, attends, peut-être juste décoratif. Bah, attends. Parce que en vrai, déjà l'épée. Ou alors, attends. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Spammer, tu sais. Ouais, peut-être non. Invisible, il y a peut-être un truc dedans. Ah, c'est possible. Hein. Non, rien. Ok. Pourtant, attends, je vais refaire l'épée. Pourtant, il y a aussi. Il y a l'air d'avoir un truc, mais. Ou alors, attends. Essaye avec. Lève ta main, du coup. Balance-moi. Non, rien, ok. En plein dedans. Allez, hop, dans la gueule. Bon, pas grave. Ouais, dommage. Pourtant, je suis sûr qu'il aurait pu avoir un truc en vrai. Oh. Ah, dommage, je dois descendre. Non, je rigole. Oh non, merde. Putain, je suis. Attends, en... je sais pas. Attends. Hop là. Ah, oui. Mais non, je veux pas être bunkers. Ah, dommage. Suicide bunker là. tu veux pas être plutôt. Ah, merde, dommage. Ah, bah attends. Non, mais. Ah, ouais, tu veux vraiment te suicider. Ouais. Je suis mal color. Il y a trop d'enculés dans ce dans ici là. Et yo ma color, ça te dit d'exploser aussi la classe avec moi? Et ma color, deux fois plus de plaisir. Aïe. Bon. Attends. Un pote. Biospark. Ah, attends. Ah oui, c'est après. Je regardais où c'était, mais je pense que ce sera après. Je vois pas en quoi il est bio, mais... Tu veux monter dans ton bateau? Oui, bien sûr. Tout seul. Ah. Bah oui, bah, en même temps. Super. Regarde le bio, il fait... Ah oui, bah attends. Ah non, bah, en fait... Ah merde, c'était bien là-bas, ouais. Ouais, il fallait faire quelque chose en vrai. Bon, pas grave. Le bateau. Bon. Peut-être pas le bateau vu que c'était avec la flamme. On pouvait pas savoir. Hein. Bim, attaque. Mickey Fire. Oh, très bien. Vite. Oh, vite, la clé. Protégez-moi. La route est ouverte. Good. Alors en plus, il nous faut... Genre... Chier, putain. Génial, le HP up.
Il veut quoi, lui? You are my friend. Comment ça? Je veux pas mourir. Non, je rigole, allez, j'arrête, c'est trop. Attention à celui qui chope. Voilà, il est plus, ouais. Eh, tu veux être ça? Je rigole. Oh, ouais, carrément, là. Choix rock. Comme plutôt choix nul. Allez, c'est plutôt trancheur. Non, pourquoi? Allez, bim attaque là. T'as la ref? Bim attaque. Je vais l'avoir. Bim. Voilà. Très bon youtubeur d'ailleurs, je. Bailbot, ouais. Je regarde pas tout le temps ses vidéos, mais je sais que dans quelques-unes vidéos que je regarde de temps en temps, il est très très fun. J'ai pas le temps. Attends. Ah, bien vu ça. Attends, il faut que je fasse la combinaison de Mortal Kombat. Hop, c'est bon. Ouh, c'est lui ça. Ah, attends. D'accord. Super. Au moins, on a une vie. Bon, j'essaie de spoiler un peu l'eau dessus. Ah bah ça. Putain, à chaque fois. Wow. Non, je pense que ça va être un... Ouais, ça doit être cette porte, ouais. Ouais, un passage secret pour aller en plus pour autre chose. Tintin. Oh la vache. Bon bah voilà. Ah oui, ok, c'est pas pour se faire écraser du coup. Je pense que ça doit venir aussi du jeu de base. C'est-à-dire, des fois tu dois soit courir au plus vite, ou soit c'est. Tu survis. J'aime bien la survie. Putain, il fallait speedrun pour avoir les pièces. Ouais, cette pièce parfois. J'ai eu. Hein. Putain, j'ai eu peur quand même. Ouais, ça m'a l'air des trucs décoratifs du coup, les. Mais dommage qu'il n'y ait pas de chimère à affronter ici. Bah, sinon, ça aurait été encore plus de développement dans le jeu, hein, très clairement, j'ai envie de dire. Et là, on pourrait dire que c'est des chimères parce que. Vu que c'est. Qui vole un peu, tu vois. J'essaie de comprendre un peu les idées derrière le jeu, quand même. Allez, en bleu, pour changer. Ah, oh, c'est de... Achète des... Hey, mag. Mag. Ah, c'est une référence, c'est une Halo Rome. Et la musique aussi, écoute. Viens voir, viens voir. Attends. Il est vrai. Je m'en attends. La 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 la. Et ouais, du coup, je pense que ça va être la même chose pour Tanza, pour... Il y a effectivement la même chose pour Tarenza quand j'avais fait. Bim attaque. Incroyable quand même la référence à Dreamland. Oh. Ah ok, c'est... je pense qu'il faut juste esquiver quoi. Ah, on n'a pas l'attaque à fond. Ouais, on a dû le rater tout à l'heure, tu sais. Ah oui, c'est vrai. T'en ai mis ce... Bonjour. Ah ouais, c'est parti. La fameuse phase de boss. Attends, on va faire son armée. Alors, on va prendre Chili. C'est bien un peu de feu. Alors, attends. Ouais, il voulait me donner la glace. Hein. Oui, mais je peux comprendre. Je l'ai invoqué, il s'est dit, vas-y, c'est mon moment. C'est... Putain, elle a sorti de la bouffe déjà. Bon, oui, après, c'est bon. Et je lui dis, avec. Ça aide, ça.
De quoi? C'est Agnès. Inès. On va planter Inès. Allez. Ah, pas encore. Oh putain, il y a un portail derrière, il est... Ouh, le portail, c'est pour revenir sur Ness, hein. Et hop là, les pommes. Ah oui, c'est Inès qui a invoqué le portail, effectivement. Bah après, c'est Dark Inès qui le fait, ça, de base, sur ce mode-là, mais... Mm. Un jeu pour enfants. On n'oublie pas. Hein. Après, on a plein de dégâts, du coup, c'est cool. Ouais, on n'est pas à fond, mais ça va. Un peu politique, ce personnage, hein. Qu'est-ce que t'as fait à tes filles? Les balances. Je ne supporte pas des prénoms comme ceci. Voilà, je place le portail. Alors je suis obligé. Alors il faut que je me rappelle quand c'est leur... Rabouillé. Ah merde, je sais. Et ça va, Imhotep? Et rabouillé. Au revoir, Inès. Ah, il est toujours, hein. Vite, la bouffe. Après, dans tous les cas, dans la transition, on allait avoir de la bouffe. Ouais. Ah ouais, ça, les bruits de ma gueule, ils sont quand même mignons. Ça, en plus, le pire, c'est... Ils sont mignons, mais bon. Hein, le jeu est fini, là. Pour le coup, je crois qu'il est vraiment fini sans ça. Et non. Et non. On va pas faire un terminal, là, si. Non, on va faire... Lui. Non, 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 non. Le pire, c'est ouais, que... Okay. Le pire, c'est que cette intro, c'est vraiment... Elle est stylée, mais... Je voulais trop l'affronter, en vrai. Doge qui... Hop là, dans ton cul, je t'ai aspiré. Mais moi, je crois que ouais, c'est vraiment le papillon le plus dangereux, parce que même dans le monde oublié, je m'attendais pas que le papillon fasse ça sur un ennemi. Et il se pose dans Kirby normal aussi. Ouais, et pourtant, il fait rien, il fait « Bon, bah vas-y, hein, repose-toi. » Ah, c'est Crownet, ça, je reconnais. Oui, effectivement. Et c'est Crownet parce qu'en fait, tu joues Mogolor, du coup. Oui, bon, ça, j'ai aussi c'est... compris. Non, mais je veux dire, c'est parce que... Ah, en fait, c'est le boss final du jeu, hein. Ah, en fait, c'est toi le boss final, pour le coup. Je suis ami pour la vie. La sculpter, c'est... Ah oui, c'est vrai. Oh non, je peux pas être... Ah non, Chili, propose-toi. Non, Vividia. Vividia, non. Eh putain, il bloque depuis tout à l'heure. Ah, tu vas te faire combattre. Ouais. Ah non. On s'est... Moi aussi j'ai bloqué du coup, on a fait un duel. Oh. Ah mais dites-moi. Ah
Ouah, on a gagné. Voilà. Eh putain, on... génial. En moins du... Bon, après, on a fait une pause, etc., mais on a fait en ça en une heure, c'est pas mal. Ouais, on aurait pu faire le sub une heure. Bon, au moins, on a, complété, on a complété ce tableau. Allié de l'ombre. Et tu vois, excellent. Et en plus, tu vois, j'essaie de comprendre un peu pourquoi ils appelaient ça, mais bon, en tout cas, l'ombre, je peux comprendre pour Dark Meta Knight, et après, pour Derosh... Parce que lui aussi, je crois qu'il a été corrompu par un... Dark Nebula, dans le jeu où il apparaît. Ok, ok. Ah oui, parce que oui, c'est vrai, là, avec la petite étoile, ouais, c'est vrai. Je comprenais pas au début, parce que Dark Meta Knight, je sais que c'est pour le côté, bien sûr, dark, de l'ombre, etc. Mais ok. Bravo, t'as complété tout ce tableau, il t'en reste plus qu'une centaine. C'est vrai. Non, c'est bien, je sais plus, il faudrait que je relance le jeu, mais... Ah. Allez, là, je te laisse deviner ce qui c'est. on peut pas savoir, là. Moi, je sais. Oh, merde. Il y a eu une... un truc de puzzle. Ouais, bah en même temps, j'ai complété le puzzle. J'ai envie de te dire, c'est un peu dans l'ordre. Si on a fait Magolor, il y a Tanza. Voilà. C'est... Génial, bien joué. Ouais. Pas trop mal. Après, j'aime bien. Ah, par contre, j'avais payé les confettis. Ah oui, ouais, les confettis sont. Les confettis reviennent. Porte Magolor, comment il fait ça avec ses mains? Si moi je fais ça avec mes mains, il y a plus de bras. Tout emmêlé. Bah c'est pour ça que moi j'aime bien les personnages où ils ont pas de... Où j'aime pas ces applaudissements. Donald Trump. tu veux savoir un truc, j'allais dire autre chose, j'allais dire merci à mes esclaves. Genre... oh le traître. Bah ça va en vrai. Ça va. Ouais. Parce que moi avec les alliés de base, je le fais en moins d'une heure ça. Oh non. Allez, sur du phare. On va se battre. Ami pour la vie, ta gueule, laisse-moi gagner plus de points. Ouais, bah... Hop là. Ah, c'était le piège. Ah, le nul, il s'est fait. On va tricher, non? En même temps... Avant le coup, avec mon épée. Ouais, c'est avec ton daddy doux, tu vas faire grand chose là. Ah, c'est une bonne méthode ça, attends. On voit rien, enlever les crédits. Eh, hey, on voit rien là. Hop là, je te l'ai récupéré. Bon, je récupère un peu le tas, ça vous dérange pas. Ok, là, bon. Bon, là, t'as vu, cela, enculé. Retire-moi ça. Hein. Hey, t'es ban. Je supprime. Ça me rappelle quand même. Hier, on m'avait dit, enfin, il y a quand même plusieurs jours, parce que j'étais trop fort sur ma carte devant ma classe, ils m'ont dit, bon, t'es ban du tournoi, de la LAN. T'as plus le droit. Faire des gens moins forts. Après, il faut savoir jouer, bon. Enfin, un skill issue, un peu. Hein. Il va faire du 200 CC sur ma carte, tu sais. Oh. Ah. Oh, c'est Meta Knight. Ah. Non, mais... Il y avait un énorme freeze que j'ai eu. Je sais pas si c'était ton côté ou pas. Bah, c'est pas vraiment. C'était la co, désolé. Ouais, pas de soucis. Ok, bah, c'était la. Parce que, en vrai, moi, le stream il me fonctionnait, j'avais aucune image perdue, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ouais, ça devait être ma co, sorry. Je suis en wifi, tu sais. Ouais, pas de soucis. Ouais, en vrai, ça doit être peut-être pour ça que du coup, il y a un peu de latence, tout ça. À part pas, ça arrive des freezes. Ouais, bah là pour l'instant, c'est fluide, là pour l'instant, vers la fin. Oh l'enfoiré. Attends, c'est... Oh, tu l'as eu, je crois. Non, c'est toi qui l'as eu. C'est moi, j'en dirais que ça. Comment j'ai fait? Et après, tu m'as dit tricheur. Vite. Il faut que... Les points, vite.
Ah le bâtard, il a pris les meilleurs. Oh là, je vais me régaler là. C'est moi qui ai bouffé Kirby là. C'est Kirby ça, ouais, j'adore. Ah, ouais, GG. Ouais, GG quand même. Oh, point d'interrogation. T'es cringe là. qui lui dit, hein. Oh, regarde, une image du prochain jeu qui va bientôt sortir. Ouais, ah oui, bah oui, évidemment. Tu peux rejoindre les autres. Oh non, j'ai pas envie de rejoindre Tarissa. Il est moche. Et hop là. Et, mon dieu, je suis dans le jeu. Tu sais, il allait pointer sur la cam. Voilà. Merci. Ah, c'était cool, ouais. Et ah, c'était cool. Normalement. Ouais. Ça a l'air trop, ses potes. Ouais, en vrai, cette photo, elle est vachement géniale, je trouve. C'est, ouais. Certes, Suzy, tu vois, le seul truc qu'on reconnaît, c'est allez, prends le robot. Mais ça va. La fleur, elle est très jolie. L'or, quand elle est bien placée, est jolie. Donc, limite, j'aurais trop aimé que le robot il soit dans le lore en train de conduire, tu sais. Mais bon. Ce serait hilarant. On peut pas tout avoir, hein. C'est un jeu pour enfants avant tout. Qu'est-ce qui manque du coup? Qu'est-ce qui manque? Bah, il y a toute la liste, hein. Genre, il y a tout ça, ouais, à faire. Bon... Tu as tout fait? Non. Justement, j'allais faire justement tout dans l'ordre. Bon, je me suis fait du coup un spoil pour ma Golan, mais ça me dérange pas parce que. Hein, dans tous les cas, voilà, j'ai streamé. Au moins, les gens, ils ont la preuve que j'ai fait l'aventure avec ma Golan pour la sortie du jeu, donc. Ah ouais. yo, professeur, on refait une aventure? Retour. Voilà. Ah, l'ultime dilemme là, bordel. C'était un ah non. Ah non, moi je dois aller dormir. Hein, tu sais. Je vais voir les records. Mais on l'avait fait ensemble en tout cas. Ouais. Je me rappelle parce que bon, on a quand même. Ah putain, j'allais. Eh, tu sais quoi, on va regarder ces musiques? Non, la vidéo. Attends, je vais regarder ce que t'as mis pour le bon retour salé, pour voir les derniers alliés que t'avais utilisé pour l'aventure. Ah, ça prend... C'est pas une cinématique générique. Bah, en gros, ça prend en compte sur la dernière... quand tu as la battu Void Termina, ça prend les dernières années. Alors, t'avais pris... C'était les premiers, ça. Hein, ouais, donc là, t'as pris Trancheur, t'as Biospark. Il y avait un lasso quelque part. Et pour te dire, j'ai dû faire plusieurs... fois à la fin pour avoir par exemple des différentes cinématiques, hein. Ah. Et ça en plus ça permet de par exemple si t'as envie de avoir un fond comme ça pour avec une animation et tout, c'est très bien, je pense, sympa. Ok, Wester, pourtant tu l'avais pas. Ouais, mais je crois qu'en fait j'étais mort sur le boss et que du coup bah, j'avais que le Wester. Bon, ça va, t'as quand même Léo la flamme évidemment pour le feu. En tout cas, beaucoup de alliés avec sans push. Hein. J'aime pas quand ils ouvrent leur gueule. Ça me rappelle le même où c'est un, tu sais, c'est le gars avec sa voiture, il est comme ça et est marqué like ou machin truc. Mon genre de personnage que j'aime bien, c'est les personnages qui ont les yeux jaunes et un fond noir, tu sais. Et il est vrai, moi j'aime bien ce style de personnage. C'était très drôle en tout cas. Voilà. Genre ils ont vraiment pris les meilleurs. Hein. Ah merde, à chaque fois je me trompe, je clique sur B, mais... Sauf que le B c'est le A, enfin le B, du coup, c'est ma Natis Box, du coup ça se mélange. Ah c'est inverse, ouais. Ouais. Ah regardez, on a joué ce personnage en plein milieu là. Alors. Bon bah voilà. Du coup, je vais changer de scène, comme ça tu pourras retirer le jeu tout ça si t'as envie ou faire autre chose. Hop, je rejoue tout seul. Non, et voilà. Bah merci Hugo. Ouais, c'était amusant. Moi, ça fera une petite VOD intéressante sur la chaîne. Et puis bon, comme ça je mettrai juste la suite de Isaac. Bon, ça avait pas marché, mais bon. En même temps, j'avais tout en fait tout, je me suis dit. Soit j'ai tout le bonheur, ou soit c'était un peu compliqué, mais en même temps... Non, c'est bien amusé, hein. Ouais. Je pense reprendre un stream dimanche. Samedi, je vais que bûcher pour la vidéo, comme ça, au moins, c'est...
Voilà, au moins la vidéo, elle est faite, rendue, et puis comme ça, je pourrais faire une vidéo bonus. Et d'ailleurs, petit indice, ce sera le... Ah ouais, bah, même pas n'importe quel bonus, parce que c'est vraiment le Hugo et Zami 25.5, parce que au début, j'ai vu les... Parce que, comme vous savez, en regardant les vidéos, etc., bah, il y a quand même une suite qui va arriver, mais il y a, on va dire, un peu le début qui n'était pas présenté au début de la... Où c'était en quelque sorte où je faisais les skins, etc. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vais conseiller un 25.5, ce sera juste un petit demi-bonus monté comme un Hugo et Zami, mais pour ça, quoi, on va dire. Voilà. Et après, bah, ce sera un autre Hugo et Zami qui sera le 26, je pense, où je verrai avec ce que je fais, mais si j'ai le temps aussi. Et du coup, ce sera le Hugo et Zami 26 sur un autre jeu. Voilà. Indice du jeu, Bibi a fait au moins 300 épisodes sur ce jeu. Ah, oh, mais bon, c'est. Eh oui, c'est. Non, je sais pas. Eh oui, c'est Rainbow Six. Non, je rigole, c'est pas Rainbow Six. C'est SCP, voilà. C'est vrai? Ouais, j'ai commencé un peu le dérush et bon, voilà, il y a au moins. Il y a au moins les parties que j'ai trouvé de ça drôle. Y a, c'est vraiment la longue partie, si tu veux, mais j'ai pas pris vraiment. Tiens, je vais prendre ces moments-là, etc. Surtout mais on n'y a jamais joué, SCP, je comprends pas. De quoi? On n'a jamais joué SCP ensemble, de quoi tu parles? Bah, si. Si tu me ça. Le mec, il a oublié que j'ai dit ta gueule à Bibi pendant qu'il gérait son serveur, hein, avec son event. C'est marrant, très très drôle. En plus, je me rappelle, Bibi commençait à parler tout doucement pour dire « Ulysse, il a pas mis la bêta » et je lui dis « Mais ta gueule dans le jeu !» Et du coup, il y a Bibi qui s'est énervé et il s'est dit « Je vais te ban, enculé, je vais te ban !» Et là, il y a Kevin, le protecteur, qui a fait « Mais t'as vu ? Il tue trop ses droits, là !» Mérité, mérité. Voilà. Bon, pourtant, le truc le plus triste, c'est que j'aurais pu le faire ça en début, mais bon, il n'y avait pas assez de matière pour vraiment début d'introduction. Et de toute façon, je voulais juste montrer un passage où Kevin m'a un peu trahi. Parce que en plus, ça doit être la deuxième fois où je mets en intro Kevin sur Hugo et Zami, parce que vraiment... Début de la partie, bon bah je me fais slash et il me dit je voulais pas que tu meurs alors qu'il m'a fermé la porte derrière. Bon, ça pas le pote. Moi j'aime pas quand tu fermes la porte dessus. Oui, bon. Sinon, Hugo, tu pourrais m'offrir Hitman 3 s'il te plaît. Ça n'a pas de rapport avec le live, mais j'aimerais bien avoir Hitman 3. Merci pour ce. Et je sais que t'es fortuné donc. Ah ouais, tout de suite. Tu as au moins 999 000 euros, je le sais. Écoute, déjà j'ai. J'ai tout bêtement Ready or Not à acheter, il est toujours pas en solde. En plus, waouh, ouais. Putain, 70 euros, tu veux ma carte bleue ou ça se passe comment? S'il te plaît, oui. Bah écoute, quand il sera en réduction, putain, en plus. Non, mais c'est une plaisanterie, oui. Évidemment. Je suis pas un mendiant de Isaac, quand même, hein. De Isaac, genre, il s'est trompé le jeu d'un coup. Je suis pas un mendiant de Mario, hein, attention. Hein. Après. Après, bon, attends, on va y aller quand même quelques petits trucs, parce que bon, monsieur, il veut quand même jouer à un jeu... Mais c'est pas moi qui veux jouer. Hein. Parce que bon, monsieur a Hitman 2, mais il a pas fait le 1. Il faut faire dans l'ordre, monsieur. Hein. Mais en fait, Hitman 2, je l'ai pas. C'est, ça, c'est la démo avec l'épisode gratuit, là. Bah, je crois qu'ils ont fait le premier épisode gratuit, définitivement. C'est ça, truc sur de Paris. Hitman 2. Je crois. Attends. Attends, je vérifie. Mais sinon, j'ai pas le jeu complet, moi, sur Hitman 2. Hitman... Je vais regarder à nouveau. En plus, il est même pas disponible sur le magasin Steam Hitman 2, donc laisse tomber. C'est... Ah ouais? Je sais plus comment tu joues. Bah, ça va être une clé Steam ou un truc comme ça. Ok, ouais. Je savais pas. Ah, c'est dommage ça en vrai, parce que je l'avais ajouté, du coup, bon bah pour l'achat, bon bah je vais devoir aller dans le dark web. Ouais. Mais du coup, ouais, je sais pas trop, et ça fonctionne sous sa forme d'épisode avec les maps. En plus, ouais, je l'ai, et maintenant il est marqué Hitman 2 n'est plus disponible sur le magasin. Bon, dommage. Du coup, j'espère que je peux quand même l'acheter. Du coup, ça serait un peu con. Attends, je vais vérifier si j'ai bien le Hitman. Ah, j'ai le premier aussi. Bah, comme quoi, j'ai bien fait aussi d'avoir le premier, mais je crois pas que j'ai tous les épisodes. Mais au moins, j'ai le premier. J'ai le premier et le deuxième. Avec que le premier épisode. Donc, vachement con. Peut-être que je jouerai à Hitman 2 un jour pour rigoler en stream. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Hitman 1, mais à voir. Le concept, c'est pas que tu peux y jouer à 2 à Hitman 2 ? Oui, je crois. Mais. Ouais, mais je sais plus quand ça fonctionne, je crois. Seulement pas une ça... map, non? Bah, en gros, il faudrait que deux personnes aient le jeu, je crois. Ouais. Et en gros, c'est des missions sniper, je crois. Je crois, si je me rappelle avec la vidéo de One Kill,
Après, à voir sur les autres trucs. Mais bon. Après, je pense que ça reste mieux en jeu solo, Hitman. Honnêtement. Oui, ça joue vachement solo et juste un pote pour rigoler, pour dire tiens, fais ça. Sinon, Subnautica aussi, c'est marrant. Oui, je le recommande. C'est un jeu solo. Alors, d'accord, c'est bon. Le mec, il est sur Mediacritic, là, il va faire tous ses critiques de jeu. Alors, Undertale, top tier. Outer Wilds aussi, très bon jeu. Non, vraiment, très bon aussi. Outer White ou Mr. White, hein? Non, mais... Qui lui dit, hein? Outer Wilds, pas Mr. White. Je sais, I am on the planet, help me. J'ai joué à Outlast pour la peine. Je vais jouer à un jeu d'horreur. Oh, attends, Outlast. Ouais, d'ailleurs, toujours pas de nouvelles sur le Outlast Real. Pourtant, la bêta avec auquel on a joué avec Bibi, très très fun. Très très fun, le jeu. C'est PD aussi. Ouais. Et franchement, j'ai trop envie de faire un PD. Franchement, j'ai envie de te dire, dimanche, à tout moment, on demande à Bibi de faire un PD et on fait vraiment un PD. Ouais. Un dimanche après-midi, tranquille, 14h, et voilà quoi. Parce qu'en vrai, ça me tente très bien. Bon, bah, je vais lancer la petite musique de fin de stream, je vais passer sur une autre, voilà. Bah merci de m'avoir invité, Hugo, en tout cas. Pas de soucis.